Jouer à Farmville pendant que vous y êtes. Allez, allez, mettez vos doutes de côté. Team. Attends, c'est un truc de ouf. Attends, attends, parce que on peut être grimpeur, mais on peut être sherpa aussi. Ou alors rechercher Oh! sauvetage, médecin du camp de Ah oui, mais base, vraiment! Non, mais ça, guide d'escalade. c'est l'interprétation Roblox, quoi, vraiment. Mais ce qui est ouf, c'est que je crois qu'on pourra avoir des gens de la commu qui viennent en fait nous aider, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être nos Sherpas! Ouais! Oh oui! Putain, le volume il est baissé à fond et pourtant. On peut mettre en plein écran, par contre. Bah, je suis en plein écran moi. Je suis pas en plein écran. Ça y est, je suis en plein écran. Dans Baisser le son. paramètres. Oh, ta gueule, Micro. le jeu! Ouais, mais y a, la musique, je peux pas. Enfin, elle fait partie intégrante du truc apparemment. Ouais, play. Attends, casque, sortie appareil. Ouais, mais Ça me bon. fume vraiment d'être sur Roblox, ça me termine. Attends, mais si je fais play, comment je fais pour être avec toi en fait? Moi, je te C'est ça que je vois en veux haut à savoir. droite, mais Ah, t'es là? On est là? T'es là, là? Derrière toi? Ah, salut! On est escaladeur. Ok. C'est quoi ce petit Alors. bonhomme? Il est drôle. Oh. C'est une montre religieuse? Il est un peu C'est drôle. un. C'est quoi? C'est un. Comment t'appelles ça? Ils se font avec la nature là, c'est con. Ok. Wow. Press open in the. Oh, y a plus gros l'écran. Open in the bottom left to access sur Alors tap, inventory. t'as accès. Ok. Click on Ouais. all items in your storage to move them into inventory. Ok, je prends tout. Donc j'ai Ok. le Tac, tac, casque, tac, tac. la sacoche, Casque. oxygène, Satchel, harnais réservoir oxygène, harnais et et nuage un de piolet. un piolet quoi. Ok, comment on. Ok, tab. Suivre le chemin vers les chutes de glace de Pour changer la Krumbukto. caméra, faut forcément faire clic droit et... Attends, comment on fait pour. Ah, tu peux retirer le chat J'ai appuyé sur la flèche en bas. avec la flèche pour retirer, ouais. Ok, alors je pense qu'on va devoir gérer notre oxygène, l'eau et tout ça. Hein. Ouais, je sais pas trop comment ça Ok, marche, mais... c'est parti pour escalader l'Everest. Suivre le chemin vers les chutes de glace de Khumbu, situées au début du mont Everest. Quelle dinguerie. Alors, on a tout ce qu'il nous faut, j'imagine, là. Ah, j'ai... Attends, attends, il y a trop de monde. Il faudrait juste que je sois qu'avec toi. Mais du T'es coup, où? Attends, attends. t'es où? Ah, t'es. Reste un peu en arrière. Pour bouger ta caméra, tu fais comment, toi? Attends, mets-toi. Bah, moi, je maintiens le Ouais, faut clic vraiment faire comme droit. ça. Putain, Ouais, c'est je chiant. crois. Il y a un autre. Il manque une autre solution. Et du coup, t'as ta souris en plein milieu de l'écran? Ouais, j'ai ma souris constamment sur l'écran, c'est chiant, mais. Ok, c'est juste pour être sûr que je suis dans les bonnes conditions, parce que... Ouais, c'est nul, mais. Bon, c'est fait pour les gosses, hein. Vas-y, Ah on oui, y va avec maintenant pendant I qu'il y a une et O, percée. tu peux changer ton zoom. Ça, c'est important. Ok. Chute de glace. Oh, ok. Vas-y, je vais en C'est éclaireur. parti. Oh, mais c'est en fait, c'est au feeling, quoi. Bon, alors, il y a Souvenez-vous, des énormes vous trous, pouvez. mais... Ah! L'espace de stockage, il est accessible que dans les camps. Ah, donc là, tout ce qu'on a sur nous, c'est définitif, ok? Ok. J'espère que le début de l'Everest n'est pas vraiment comme ça. Hein. C'est un peu route C'est un si peu jamais chaud quand même. Hein. c'est comme ça. Mettez On des peut pas quelques. sauter dans le jeu? J'ai l'impression qu'on peut pas sauter. Ah, c'est tendu de pas pouvoir sauter. Oh, j'ai trop hâte qu'il y ait quelqu'un du groupe qui tombe. Ça va être si drôle. Est-ce qu'il y a des cadavres congelés en haut de l'Everest? Oh, j'espère qu'ils en ont mis. Par pur but de réalisme. Oh, les petites échelles là. On se régale. Oh là, c'est chaud là ici. Ok. Oh, peu... Je te suis Putain, toujours, hein. j'aurais bien aimé masquer les autres là. Attends, non, parce que. Attends, mais je peux pas monter. Attends, c'est difficile d'avancer. Je T'es où? descends. T'es où? T'es où? Attends. Je suis un peu descendu J'étais là. perdu. Je suis derrière Attends-moi. le. Mais y a trop de monde! Mais Comment ça se fait ouais! qu'il y a autant de monde? On peut pas les laisser passer! Mais non, parce Attends. que regarde, je crois qu'il y a un flux continu de gens! Ah non, c'est bon! Mais Regarde, y a personne là! comme sur le vrai Everest! C'est très touristique! Attendez. La commu, si vous nous entendez, cassez-vous votre race pour l'instant. Quand on aura besoin de Oh, vous, on y'a un vous mec! appellera. Ah non, il est pas tombé, c'est qu'il y a une échelle en bas. Attends, viens, on attend ici. On attend ici et on voit si y a des mecs qui nous sucent ou pas. Sus! Bon. Fatak, tu peux Sus! partir, s'il te plaît. On sait que tu pars, s'il te plaît. Si on a besoin de toi, on t'appelle. On attend que, voilà, on attend que le flux soit passé. Et là, regarde, après, il n'y a plus personne. Allez, c'est bon, on y va. Ok, c'est bon. Oh la vache!
T'as fait une vilaine chute? Non, ça va. Bah, j'ai attrapé des chiens en cours de route, quoi. Quoi ici? Quand est-ce qu'on atteint? Attends! Ah, mon oxygène baisse, mais ça va. Ah, attends, je regarde pas mon oxygène là. Ah oui. Eh, t'es où? Je t'ai perdu? Attends, je faisais une petite pause pour regarder mon oxygène. Ok, je t'attends en haut de l'échelle. Je prends un autre chemin. Un chemin que personne n'a osé prendre. Ouais, t'es chaud à gauche là, c'est toi à gauche? Ouais, j'en ai rien à foutre quoi. Je suis aucune règle. Ok, excellent. Je suis derrière toi. Pour l'instant, c'est. Comme ils disent, hein. Si t'es riche et que t'as un peu de temps, c'est vraiment simple l'Everest. Hein. Bah, à mon avis, c'est accessible pour n'importe qui a les fonds et le temps. Franchement. T'as 15 Sherpas. Allez, tu te laisses porter. Chemin vers le camp 1. Une promenade de santé pour les ultra riches. Putain, mais on va seulement au camp 1. Ça peut être très long, hein. Je sais pas combien de temps. Il y a combien de camps? Bah. Je sais pas, mais là. On dirait qu'on est plus en mode rando. Je pense qu'après il y a de la vraie. Peut-être du vrai alpinisme quoi. Bah avec si on a un piolet, c'est que j'imagine qu'à un moment donné on va en avoir besoin. Donc je pense que là c'est juste la petite rando pour aller. Ok, il y a 5 camps. Ah oui, en fait à gauche on voit où on en est. Où ça? Ah oui! Ça, on voit très bien en fait. On est à rien en okay. fait. Ok, on est même pas à 1 km de hauteur. Ouais, on est à que dalle. Ah, oh, ça va être chaud. Va falloir vraiment gérer l'oxygène, c'est ça qui est con. Si on le gère mal, on aura pas le choix, on sera juste baisé. Mais comment on le gère de toute façon? Bah, à moins d'en avoir en stock. À part le mettre que quand c'est ultra nécessaire. J'ai déjà la moitié de mon eau qui est partie. Hein. On peut peut-être refill en eau au camp et tout. Ouais, faut qu'on s'en serve. Là, il y a de l'eau là, par exemple. Ah ouais. Recharger la bouteille. Ok. Ça, c'est rechargé. J'utilise maintenant, mon eau. L'accès à l'inventaire de stockage est maintenant disponible. Ouais, mais comment je paye, genre, pour de l'oxygène en plus? Comment je fais? Genre, si je veux une bouteille d'oxygène, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas? Attends. Feu de camp, guérison. 100%. D'accord. Okay. Mais comment je paye? Je veux une bouteille d'oxygène. C'est gratuit. Mais où est-ce que vous voyez le. Où est-ce qu'on paye pour l'oxygène? Tu peux en give et tu peux refill à certains endroits, dont le camp. Les viewers sont vos poches à eau en gros. Okay. Oh, y en a qui vont se sacrifier pour okay, nous. Y en a qui vont mourir pour nous aider. Mais ça ne me dit pas où est-ce que je recharge mon oxygène. Et où est-ce que j'ai une bouteille d'oxygène en plus? Bah ouais, moi je vois pas, je vois que l'eau. Je vois que l'eau en fait. Ok, vas-y, tant pis. On repart. Vas-y, go. Hein. Putain, cette vilaine souris sur l'écran. Tu as bien bu? Ouais, j'ai bien bu. Et plus soif. En fait, faut. Mais comment, de toute façon, maîtriser son oxygène, c'est un timer, genre. C'est pas en fonction des efforts qu'on fait. Je pense. Je pense pas qu'il soit allé jusque-là. Eh, hey, entre le camp 2 et le camp 3, c'est long. Ouais, ça va être très très long. Traversée dangereuse de Serac. Ok, oh là, bah oui, ouais. Effectivement. Regarde. Ah ouais, ouais. Attends, on laisse passer les gens parce que là je vois rien. Ouais, je vois que dalle. Allez-y là, allez-y. Allez-y les abonnés là, foncez, si on a besoin de vous, allez, on vous appelle. Et vous serez pas les premiers à crever ici, hein. Vas-y toi. Ok. Ok, attends. Il m'est arrivé une dinguerie. Putain. Oh la vache. Ok, j'ai un peu glissé. Et comment on saute? Eh bah, tu sautes pas, tu. Voilà. Tu fais des petits chemins, hein, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui soit accessible. Ah ouais. Pff. Et le piolet. Okay, et qu'est-ce que. Ah putain, faut passer par le trou quoi. Attends, mais t'es où toi? Ah t'es là. Je suis là. Et il est gros son skin lui, il me casse les couilles. N'hésite pas à reculer un peu pour qu'on soit tranquille. Il est. Il est chiant. Ok. Bon, a priori pour l'instant. Oh, y'en a qui est tombé devant moi là. Ah ouais? Ouais, il était pas là, il a apparu d'un coup devant mon écran. Pour l'instant, ça va. Oh là, okay. Pour l'instant, vous m'expliquerez pourquoi il faut des mois d'entraînement. Hein. Franchement, une préparation physique pour ça, marcher sur des échelles, bon. Est-ce qu'il en fait pas un peu des caisses, le Inox Tag? Est-ce que c'est pas pour le content, franchement? Ah, le Inès, vous prenez pas pour des cons un peu. Un peu de storytelling sur les bords. Hein. Typical YouTuber movement.
puis tu verras. Hein. Oh là là, j'ai froid. Oh, oh là, les gars, c'est super dur. Je pense que je vais bientôt abandonner. Les ah, gars, j'hésite allez. à continuer. Oh là là là, Oh n'importe là là quoi. là. Franchement. Mais mon grand-père, hein. le frère, les doigts dans le nez. Allez, avancez Arrête. là! Putain, on voit rien. Eh ben, si on le laisse passer, j'attends là. Le problème, c'est que plus on attendra et. Allez, les couilles molles Plus on là! Oh perdra. Ah, putain! par contre, elle bouge, mais elle bouge! Elle bouge, ça tremblote! Je pense qu'il faut pas se prendre la tête, faut passer tout Oh! droit, non? Mais Mais ça attends. tremble! Il y en a un qui a sauté là, comment il saute? Non, il saute pas. On peut pas sauter. Ouais. Vas-y, j'y vais. Ok, bah. Elles ont pas trop Ça bougé fait pour plus moi. peur que. Ouais, bah c'est. Elles ont pas Si, faut tant pas avoir bougé. peur, regarde, poussez-vous! Voilà, ça fait juste Oh peur, allez, je putain, continue! ouais, ça fait juste peur quoi. Mais tu sais, la peur n'évite pas le danger, hein. Exactement, il faut y aller. Il faut y Tout aller, ça, prends c'est dans ton ta courage à tête. Oh deux là, par mains. contre, celle-ci, Ouais, celle-ci, Faut aller. elle va pas Oh bien là, hein. oh là! Non, ça saute un peu, ça saute un peu. Wouh! Oh, tu les fais bien bouger! Tu es gros! Ah! Ça fait un peu peur. En fait, si t'as le mindset, c'est de C'est ça, de l'argent et un mindset. rigolade. Ça suffit amplement, sérieux. Eh, on rappelle quand même, au final, quand même, que c'est un jeu pour les enfants de 8 ans. Donc je pense qu'on peut aller tout droit quand même. Il n'y aura pas trop de problèmes. Attends, non mais attends, je crois que tu te rends pas compte de ce qu'ils font sur Roblox, ils font des dingueries, je vais te Oui, montrer je après qu'on sais. fasse l'Everest. C'est. Il y a des vrais jeux dans Roblox. Des enfants de 8 ans, mais il y a des jeux, frère, c'est tu te dis bah c'est un triple A là. Ah oui, je sais, il y a des vrais jeux, j'ai déjà vu des vidéos de fous. Et Je pense qu'on a une franchement. vraie carrière sur Roblox à prendre. Ah, on aurait pu être bien plus riche avec Roblox. Ouais. Mais on peut. Le coche n'est pas encore loupé. Il faut juste qu'on retravaille nos vannes pour plaire un peu plus aux gosses. Oh Et si on reste putain. sur Roblox, c'est Notre bon. Roblox era. Mais mec, il y a OMG. tout un monde à faire sur Roblox, j'en suis sûr et Alors, certain. on peut tout refaire. On avait été livreur de pizza, ça je m'en souviens. Je t'ai perdu. Ah, j'ai juste Ok, t'es là. avancé. Mais tu sais, je sais qu'on a une armée de suceurs avec nous là parce que je me suis gouré de chemin, Oui, j'étais oui. à gauche. Ils ont tous été à gauche. Alors, les gros Alors que c'était pas suceurs. du bon côté. Flux d'oxygène nécessaire. Activez votre flux d'oxygène maintenant. Quoi? J'ai pas eu d'info? Je sais pas, ça m'a prévenu, je l'ai activé du coup. Ah bah j'ai rien fait. J'espère pas de vie. C'est chiant parce que je le fais là, mais. Avertissement. Grand ravin. Ok. Ah, mais est-ce que je l'active du coup? Moi j'ai pas activé hein. Je me suis fait bait là. Fais ce que tu veux mais. Oh, encore les échelles de Oh là merde. oh là oh là oh là oh là. Oh là oh là oh là oh là oh là. Ok c'est bon. Vas-y, le mec devant moi, il est énorme aussi là. Mais moi je me tape un gorille. Ok, c'est super dur mais hyper facile à la fois. Franchement, ça va. C'est qu'une question de volonté, hein, ce que je dis toujours. Bon, on pourrait tous le faire, c'est juste qu'on est occupé, on travaille. Oui, pardon, on a un vrai métier. Donc, on n'a pas le temps d'aller à On a pas que l'Everest, ça à quoi. foutre. Après, bon, tout le monde peut s'octroyer des vacances, hein, mais quand même. Non, bah, Ça va être des libre à vacances de ceux qui 3 ont mois là quand même, énormément hein. de temps libre, bravo! Et puis attends, dans tout ça, et puis les gens sont complètement naïfs, à ton avis, comment ils le payent son petit voyage à l'Everest là? Frais de société, Bah, hein? frais de société, Hein? hein! Alors il Ah, frais de société, hein, C'est c'est pas sûrement fait. chier, Franchement, à mon avis, je suis prêt à mettre ma main à couper. À ma main coupée que sans frais de société. Et le Sherpa, il va donner une adresse de facturation, le Sherpa, Ah, vous facturez pas? Bah, je vous paye pas, le hein? Sherpa. Vous êtes notre entrepreneur, mon Sherpa? Faux de Eh, camp j'ai de pas perdu de vie, guérison. j'ai pas besoin. Ouais, moi non plus. Qui perd de la vie? Qui est nul? Mais on est bientôt arrivé au camp 3, regarde où on est. Je suis en train de monter là. Oh, oh j'ai fait un petit saut là. Fais un petit saut. Ouah, ils m'ont Sur fait plus j'ai tomber les plus. chiens! Ah, oh, il est tombé, il est tombé, il est tombé! Non, Il est c'est tombé! eux! Y a un mec C'est qui un est jeu passé pour les en enfants même. de 8 ans! Y a un mec qui est passé en même temps que moi, ce gros suceur Il est là! tombé, il est tombé! C'est un gros suceur le mec qui est passé en même temps que moi là! C'est trop long Bon ce bah, heal! je t'attends avec des grillades au camp 3. Hein. Au camp 2, pardon. Pff, ouais, mais vas-y, mais c'est le mec qui est passé à côté de moi là! Hop, on recharge la bouteille d'oxygène, tranquillou. On refile l'eau. Ouais, j'ai besoin Hop, d'oxygène, hein. Le pépère. jeu me dit que j'ai besoin d'oxygène. Hein.
Moi, je suis à fond. Je suis à fond la caisse, perso. Vas-y, bouge de là, là. Eh ouais, c'est hyper facile, le mec il m'a fait tomber, mais franchement... Franchement, dès que tu me donnes ton go, genre on refill en même temps l'eau, en même temps l'oxygène, et on top départ en course, parce que la distance qui est entre le camp 2 et le camp 3, c'est effrayant. Ouais, c'est chaud, c'est la grosse étape. T'arrives bientôt ? Oui, oui, c'était long ce heal. On peut pas avoir des bouteilles d'eau en rab et des bouteilles d'oxygène en rab ? Eh non, ce serait trop facile. Pff, tu n'as qu'une poche et un tout petit sac à dos. Recharger le réservoir d'oxygène. Eh vas-y, casse-toi, toi ! Il me cancel mon E, là. T'es prêt ? Attends, je bois mon eau et tout. Tranquille, hop, il faut qu'on se repose. Hein. Tu sais, c'est une mission... Oh, oxygène. Oh, moi je suis prêt, là. Là, c'est... Hop. Regarde-moi tous les suceurs qui vont partir d'un coup. Il me cancel mon E, j'ai envie de péter un peu. Regarde, là tu vois, regarde, il y a un gros stack de gens qui bougent pas. Regarde bien quand on va partir. Vas-y, viens, on y va. On regarde derrière nous. Non, mais pas besoin, regarde. Regarde, il nous regarde directement. Gros suceur. Regarde ça. C'est grave. Boule, allez dans le chat. Laissez-nous respirer un peu. Vous êtes comme la meuf, la TikTokeuse qui harcèle les stars et qui s'étonne que les stars s'arrêtent pas pour elle. Laissez-nous respirer. Deux secondes! Montrez-les du doigt, c'est suceur! Attendez qu'on soit dans le dur pour venir nous aider, mais cassez-vous! Y'en a un qui est monté là, ouais. Ouais, attends, comment tu. Ah bah là, les suceurs vont commencer à être un peu coincés, ça commence à pas être facile! Attends, t'es un peu devant moi, je suis entre deux suceurs là. C'est compliqué. On est dans le peloton. J'espère qu'on a pris le bon chemin. Le peloton des suceuses. Tu sais qu'on n'a pas pris de guide d'expédition, donc en fait, ça se trouve, on prend un mauvais chemin. Ah ouais, tu m'as dit qu'il pouvait y avoir des Sherpas, putain, on a déconné là. Il peut y avoir des Sherpas qui t'aident, donc eux ils transportent bouteilles d'oxygène ou etc. Il peut y avoir des guides aussi. C'est extrêmement improbable de partir tout seul sans guide, hein. Ça, normalement ça marche pas ça. Ah, ceux qui ont des vraies couilles partent sans guide, sans Sherpa. Comme nous. Oh, Téma, il a fait demi-tour ce chien, je me suis juste arrêté, il a fait demi-tour le mec. Vas-y, à toi. Téma! Il a oublié de se heal. Tellement sur mon zob. Mais lui qui crève! Pas pitié qui crève! Starboy, lui, c'est trop. Hein. Putain, poussez-le, faites-le tomber! Attachez-vous à des encres de glace le long de la route d'escalade pour grimper. Ok. Bah. Où est la difficulté? Vas-y, je m'attache, mon gars. Bah ouais, je m'attache. Ça va? Vas-y, y'a pas de difficulté là. Dès que je vois une encre, je m'attache. Hop! Hop. Hop. Et donc ça, une préparation physique. Alors ça apparemment c'est des mois de préparation. Hein. Oui d'accord, bon. Et apparemment d'après ce que c'est une folie de le faire en moins d'un an. Hein. C'est bon, tu vas la mettre la corde dans le mousqueton, ça va aller. Eh ben faut moins faire 15 ans d'études hein, pour mettre la corde dans le mousqueton. Ça ira. Allez, j'ai besoin de respirer, j'attends, je suis désolé, j'attends que tout le monde bouge. Mais vraiment qu'il bouge et qu'on soit que tous les deux. Et si on est dans le dur, on vient nous aider. Hey, sauf Starboy qui est une petite pute. Mais lui, c'est grave. Hein. On peut pas faire clic droit sur lui, bannir, ouais, dégager, masquer. Il n'y a pas un moyen de le tuer. Il s'appelle comment, ce bouffon? Comment il s'appelle? Ah, je peux Starboy. Rien faire avec lui. Ah, attends, je le vois, là, Starboy. Déjà, je le bloque. Bloqué. Est-ce qu'il peut pas disparaître? Je le signale. Ah putain, je le vois pas. Quelle personne? Starboy, oui. Raison. Je te le skip. Harcèlement. Bloqué. Signalez tout Starboy pour harcèlement. Hop, type d'abus. Non. Starboy, harcèlement. Attends, qui c'est qui est par harcèlement? Il est parti un peu. Il est parti. Non, mais j'attends par hasard, je faisais mes lacets. Je suis là, j'attends un ami. Mais regarde, t'as vu comment on a plus personne du coup? On peut. Bah oui, bah attends, oui. On va où? T'as ouf toi? Tu vas où? Pourquoi je te suis? Je te suis pas. Moi je vais continuer la paroi rocheuse là. Pas dans la neige. Je sais pas, faut aller où? Bah justement, je sais pas, je continue le truc rocheux. T'as pas de couilles, c'est ça qui t'empêchera de monter en haut. Oh! Tu vois, ça c'est le problème quand on a pas de guide. Ah bah voilà, j'ai bien fait d'aller par là. Putain, regarde, heureusement. Tu vois, je te l'avais dit. De l'alpiniste là. Route du sentier. Ah, il faisait une pause. Tu faisais une pause.
Ça fait quand même 10 minutes qu'on a attendu. T'étais essoufflé? Oh okay. C'est trop facile. Oh, il y a oxygène. C'est trop facile. Attends. Ah non, il n'y a pas d'oxygène. Il y a juste de l'eau. Ah si, si, oxygène. Il si, y a de l'oxygène. Oxygène. Je suis parti, allez, je t'attends. Allez, parti. Tu m'attends où? Là. Ah, ok. Vas-y. Eh, bouge ta merde. Je vais vraiment m'énerver au bout d'un moment. On peut pas le frapper dans Roblox, putain. Genre, pourquoi on peut pas tuer des gens dans ce... Sérieux. Tu sais, ce jeu friendly, là. Eh, il y a dû y avoir des meurtres à l'Everest. Hein. Je croyais que t'allais dire lié à Roblox. Certainement aussi, mais... Moi aussi. Non, mais dans l'Everest, il y a dû y avoir des mecs... ce qui reste sur l'Everest, tu vois, reste sur l'Everest, quoi. T'es un malade, c'est déjà dur. Ouais, mais mec, je suis sûr qu'il y a des mecs qui étaient dans le dur, et ils étaient en mode, c'est une question de vie ou de mort, je le... Ah, genre, je manger ton je pote, le pousse, ou prendre je vole son oxygène, son, ouais, pour voler de l'oxygène, ouais, par tu vois. Ouais, ouais, ce ça, genre de truc. Moi, je suis sûr qu'il y a eu des meurtres à l'Everest, tu vois, peut-être pas intentionnel. Ou alors, regarde, un mec que tu détestes, mais qui est pote avec toi, mais il sait pas que tu le détestes. Ouais, viens, on se lance dans cette aventure tous les deux. Hop, tu le pousses. Mon gars, il est en train de dormir. Juste dans sa tente, vite fait, tu prends sa bouteille, toi, ta bouteille à toi, tu l'enterres. T'as plus ta bouteille, t'as perdu ta bouteille. Non mais tu dis ça en mode, c'est... T'as paumé ton stylo. Oh, ouais. Oh bah non, bah là c'est dur, là, faut redescendre, là. C'est... T'as paumé ton moyen de survie. Ah oh, ouais, bon. Eh, moi je serais pas passé par là, ça me fait super peur ce qu'on a... Eh, arrête-toi d'un coup, fais demi-tour complet. J'ai un autre passage. Nos réserves d'oxygène. J'ai un autre passage. En fait, je veux qu'il glisse, ce fils de pute. Je veux qu'il glisse. Il est pas mauvais en escalade, ce fils de pute. Il escalade bien. Tu vois, lui, on ferait l'Everest en vrai, je pousserais. La crevasse de baiser. Ah, c'est fin là. C'est fin là. Faudrait pas que Starboy il se trompe et qu'il tombe. Faudrait pas glisser. Faudrait pas mettre une plaque de beurre sur le de ses chaussures. Hein. Ah, dommage. Pendant qu'il dort, on va beurrer ses chaussures. Oh, il y en a, il s'est enculé le crâne. Il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule, il est tombé tout en haut. Attends, ça veut dire que. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un petit saut quand même. Non, mais on n'est pas censé être. Non, mais s'il vous plaît, par contre, au-delà de Starboy le con. Je sais très bien que quand on vous dit partez, vous attendez juste 30 secondes et vous refaites un stack. Arrêtez, faites votre aventure, je vous en conjure. Et juste si jamais on a besoin d'aide, qu'on est perdu, qu'on a besoin d'oxygène sur l'eau, venez, vous serez des sauveurs et tout. Genre, ah, il y aura une oala générale. Là, en vrai, vous passez juste pour des gros forceurs que je vais passer à la télé. Au pire, s'il vous plaît. Vous regarderez sur YouTube, ce sera génial. Non, mais je vous en supplie, vraiment, soyez pas cons, s'il vous plaît. Regardez là, regardez, c'est ridicule, regardez la situation dans laquelle on est. Alors que quand on attend, il n'y a personne. Là, regardez, nous on attend là, voilà, on attend tranquillou, je risque la mort. Partez. Tous les gens qu'on va recroiser plus tard, vous serez des menteurs, vous serez des acteurs, vous aurez attendu qu'on vienne. Parce que là, on crée un décalage avec vous. C'est pas justifié qu'on vous croise 30 secondes après. Là, on attend. Tous ceux qu'on va attendre là, toujours. C'est pas normal qu'on vous retrouve après, vous êtes des acteurs et vous passerez pour des gros forceurs. Si par contre t'as besoin d'aide et que vous faites demi-tour pour nous aider, ok, vous êtes des Sherpas, bravo. Là on attend dans le froid, c'est horrible. Alors qu'on a la moitié entre le camp 2 et le camp 3, on risque la mort là. On risque la mort. Il attend quoi lui par exemple là? Il veut quoi lui en fait? Il fait nuit là? Allez là, c'est en train de tomber. Mec, c'est une catastrophe. Attends un peu, je te jure. On escalade pas de nuit. Je leur laisse un décalage. On escalade pas de nuit. Il suffit qu'on ne les croise plus. Trop dangereux. Là, on est d'accord que t'as vu la distance qu'on a. Tous ceux mais qu'on mec, croisera. Notre oxygène. C'est pas grave. Écoute-moi bien. Tous ceux qu'on croisera là, tu sais très bien, ce sera des forceurs à partir de maintenant. Ouais, regarde, y'a plus personne. C'est vide. Ouais, je sais. Ok, on y va. Escalader la route à venir. C'est qui le mec derrière? Non. Ah, c'est le même chien que d'habitude, mais vas-y, on l'ignore lui. Non, putain, ok, lui on l'ignore. Je prononce même plus son nom, c'est pas grave, il existe plus. Voilà.
Il y a un bon saut. Bam. Bon, ça c'est facile. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. C'est encore les points d'accroche là. Juste des points d'accroche. Ouais. Je me demande qui peut te faire tomber sur la paroi. Bah là par exemple, tu me donnes un canif, il y en a un, je sais que je vais lui couper la corde par exemple. Ah, faut mieux pas que ce soit nous qui l'assurions lui. Hein. Attends, c'est loin là. Ah non, ça va. Non, ça va, je crois que c'est terminé là. Non, mais ils sont très lents. Là. C'est une dinguerie. Ah, d'accord, on peut tomber. Ah, t'as vu, des fois ça saute d'un coup, genre. Bah là, par exemple, l'échelle elle est cassée. Attends-moi, hein. Elle est cassée. Ah, bah elle était cassée là, l'échelle pour moi. Je suis désolé, moi je suis obligé d'attendre. Je vais péter un câble. C'est quoi? Ah, c'est quoi? Vas-y. Vas-y, bien joué. Bien joué. Voilà. Comme ça se trouve, c'est plus dur et il va tomber, cette petite salope. On va lui faire prendre des risques. Allez, par pitié. Faites qu'il est 9h30 et qu'il l'oublie d'appuyer sur E et il se décroche. Oh, c'est fluide. Ok, pour l'instant, c'est... Pour l'instant, l'Everest, c'est de la gangote. Franchement. Ouais. Excellent. Attends. Oh putain. Tombe pas, hein. Non, mais c'est juste qu'il faut... Si tu rappuies sur E, en fait, tu te décroches de ton ancien point d'accroche. Ah. Je vais essayer de pas le faire. Mais ça, faut faire gaffe. Oh là, je fais un truc bizarre. Tu vois, par exemple, là j'ai un problème, attends-moi. Tu vois? T'entends. Je suis avec la sangsue là et. Allez. Ah non, moi j'aurais été de l'autre côté, tu vois. Ouais, j'ai hésité parce que je savais pas trop. Je vais de l'autre côté. Je savais pas trop où ça allait, tant je pis. Me suis dit bon. Ouais, je me dis, on a qu'une vie, et puis je suis tranquille au moins, je suis Profites-en, solo. Profites-en, t'as à bien la eu cool. Une ou deux minutes où tu te fais pas sucer la queue, hop. Alors, ok. Salut. Salut. C'est une foutue dinguerie. Non mais je commence à faire une crise d'angoisse en fait. Ouais, moi aussi ça me stresse, j'aime pas ça. En fait je vais me mettre à chialer. Non mais ça me pousse au suicide, c'est pas internet. Internet non, c'est là, quelque chose juste. Ouf. Y'a pas des Sherpas tueurs en série? Tu donnes une cible, bam. Ouais. Lui, tu le fais descendre, bam. Je trace parce que bon, tous les ouais, centimètres ouais. sont bons à prendre, quoi. À la limite, ça peut être la strat, quoi. Mais alors lui, si à un moment il tombe, oh là 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 là. Ouais, mais jamais, c'est un oh, le poulet. Il est accroché à la jambe, il suce le sang, il tombera pas. Bon, pour l'instant ça se passe bien et on approche du camp 3. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh, ça m'a fait sauter. Oh. Ça tremblote, hein. Moi je suis tranquille, c'est avec un mec qui va crever dans pas longtemps là. Nickel. Il faut qu'il soit en mauvaise santé tout ce petit monde là. Sauf ceux bien. Qui nous aideront plus tard quand oui. Nous, on sera dans le dur. Je suis un peu en retard, j'ai pris un peu d'eau. Ah mais t'as raison putain, où est-ce que j'y avais de l'eau? J'ai un peu bu parce que... Non, il n'y avait pas de l'eau mais j'ai bu dans ma bouteille quoi. Ah, on a une bouteille.
Ouais, c'est là que tu la refill à chaque fois que tu la remplis. Ok. Ok, je suis arrivé. RAS. Maintenant, c'est parti pour de l'escalade pure et dure. Oula. Oh là là, c'est quoi ça? Ok. Ok. Oula, attention, les échelles, ça tremblote au bout d'un moment. Oh, quand on monte là? Il y a... Alors je sais pas où tourner parce que moi je vais à une vitesse. Moi c'est Phénoménal. grimpette, grimpette, grimpette quoi. Ok. Je suis pas prêt à te dire que le camp 3 est bientôt là. Il est bientôt là hein. C'est... Je commence la grimpe là. Oh, là, je pense que j'arrive au camp 3. Je suis à une échelle, elle va vers le ciel là. Le problème d'Inox, c'est qu'il n'y aura pas d'échelle. Ça qui est con, quoi. Là, je crois que c'est road to camp 3. Ok, c'est bon. Camp 3. Imagine Inox, il arrive à l'Everest avec 60 000 échelles. Il détruit la montagne, il installe des trucs partout. Il construit des escalators et des centres aérés, genre des trucs. Des petites buvettes et tout. Centres aérés. Ouais, c'est pas ce que je voulais dire, mais ce serait. L'enfant. Mettons des centres aérés. Et ben voilà le camp 3! Ok, Facile! petite pause au camp 3 sur le siège. Je vais attendre que tout ce beau Ouais, monde on refile tout parte. ça, on refile. Parce que il y a des pseudos que je dis pas, mais que je connais très bien. Oui, ça va. Que vous allez arrêter parce que c'est pas un hasard si on vous recroise à chaque fois. Donc voilà, vous faites un refill oxygène haut, vous vous barrez. Il n'y a pas de raison de vous rester sur le camp. Genre, il n'y a pas de raison. Genre là, il n'y a pas de raison. Allez, Vous barrez-vous. on fait deux groupes, un où on est Barrez-vous. deux et un où vous êtes tout le monde. Vous cassez juste. Barrez de là. T'es pas drôle! T'es pas drôle, fils de pute! Ta mère est tapine tous les jours au bois de Boulogne pour 20 balles avec des camionneurs, nique ta mère! Parler à Nono, à Noix de Coco. Ouais, c'est pas la noix de coco. Attends un peu, on est. Vais boire un Y a petit pas de coup. raison qu'on. Hop. Du coup, là. Un petit coup d'oxygène. Un petit coup comme ça, Ça fait voilà, toujours plaisir. tac, Pas le hop, siège, voilà. plutôt l'oxygène. Siège, hop, C'est on prend mieux. siège, into oxygène, hop, petite gourde d'eau, allez, et Voilà, paf, go dit. go 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 go! Ah, je suis parti avec 99 d'eau. Ah! Je pense pas que ça va jouer. Ok, marathon, marathon, c'est bon, moi je suis tranquillement. Allez. C'est un speedrun, c'est un Go fast, speedrun go là. fast, go C'est un fast. speedrun pour moi. Putain, j'avais pas vu l'échelle, j'allais tout droit. Imagine, depuis le début, il nous connaît pas et dans sa tête, il va dire: mais vous me paraissez fort sympathique, donc je préfère rester avec vous. Je n'ai pas trouvé d'amis, donc je me permets de faire le voyage avec vous. Là, c'est n'importe quoi. C'est C'est quoi ça? n'importe quoi. Le parcours, je vais le faire vite, mais à C'est quoi l'instinct. ça? J'ai l'instinct. Pour l'instant, l'instinct est bien, je trouve. J'ai l'instinct, j'ai l'instinct. J'ai l'instinct de l'alpiniste. Allez, allez, putain, mais ça c'est un mec qui Hop maîtrise le là! parcours. Ça c'est un mec qui maîtrise le parcours. Comment on est trop rapide. Mais oui, on est à fond la caisse, à fond la caisse. En fait, c'est pas qu'ils nous attendent, c'est qu'on les rattrape. Non, si, y a quand même un gros Y a problème, quand même c'est quelque que chose, mais. comment ça se fait que, tu vois, par exemple, voilà,
Voilà que je recroise quand même, alors ça fait quand même longtemps qu'on a. Tu vois? Voilà, on se retrouve encore une fois stacké avec des gens, c'est quand même curieux. Falaise pure, faites attention à vos pas. Ouais, certes. Attends, qu'est-ce que. Quoi? Qu'est-ce que. Faut aller où? Ah, Faut par, monter putain, ouais, là, par là. vers le panneau. Ok. Ok, oh putain, mais c'est. Ouais, faut Ouais. vraiment faire attention à ces Bien pas là, ouais. orienté contre le mur. Ouais, c'est. Ouais. Allez, tu colles, tu Ouais, faut colles et bien coller. Pas de problème. Pas un pas de Après, travers. encore une fois, si t'es très riche et que t'as de l'équipement avec des chaussures de ouf qui collent, ah, Ouais, c'est facile, hein. une bonne Ah, c'est semelle facile. là-dessus. Ah bah, quand t'es sponsor par des marques qui te fournissent le meilleur équipement, c'est facile. Putain. Ah, je peux te dire qu'il va pas y aller en décathlon, le Inox, hein. Ah bah. Pas comme nous, hein, non, non. Non, non, non. No offense à Décathlon, hein, on est bien sûr ouvert à Non, j'adore cette marque. vraiment tous les partenariats. Vous êtes juste la marque du peuple, quoi, c'est pour ça qu'on dit ça. C'est ça, voilà, vous êtes proche du peuple. Je vais dans le tunnel, là. Je suis passé par en haut, mais je sais pas si j'ai bien fait. Mais du coup, je te suis pas là. J'ai suivi une strat de merde. Ah. Oh, je me suis fait mal, mais tout va bien. Mais je me suis fait mal à cause d'un mec. Eh, ça fait quand même plusieurs fois que tu tombes, hein. On était tombé pareil une fois chacun sur une échelle, franchement. Je suis pas tombé. Je suis pas tombé une seule fois. Putain, je suis bon dernier du groupe là. Je vais me retrouver tout seul et je saurais pas où aller. Eh mec, on a attendu 10 minutes dans un peloton. Je suis dans un. On est 6 là, dans mon groupe. Ouais, On a bah attendu 10 ouais. minutes au camp, hein. On est 6 là. Ok, il y a un refit d'oxygène. Dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire? C'est que l'autre enculé, il est plus là. Jure, il est tombé, fils de Il y a pute. moyen qu'il soit assez nul pour être Ah, tombé. Et j'aurais aimé voir ça, franchement. Ou alors il est juste très très lent. je pense qu'il va arriver. Je pense qu'il est pas loin, mais. Mais j'y crois. Bon, par contre, on s'est pas séparé d'une tique pour en récupérer 10 autres. Allez. Allez, pas besoin de vous arrêter pour attacher vos ancres. Bande de Des gros nuls. losers qui prennent une pause. Bande de nuls, sérieux. Et moi, Fantasy Forest, j'en avais rien à foutre, hein. Je décrochais mes deux mousquetons en même temps, hein. Je prenais pas de Fantasy sécurité. Forest! L'acrobranche de baiser! Bah quoi, t'as un problème contre Fantasy Forest? Non, c'est bien, ils ont trouvé un bon nom, je pense. Envie d'y aller là. Putain, tu décrochais les deux en même temps, t'es un malade. J'en ai rien à foutre, mec. Et moi, les Via Ferrata, c'était Ah, pareil. je décroche les deux, je saute. Wow. J'en bats les couilles. Eh, deux mousquetons, moi, sécurité, dégage, j'ai pas de temps à perdre. Le mec il arrive à l'Everest, vous avez un peu d'expérience? Bah je suis allé à la Fantasy Forest hein, déjà pour commencer. Connaissez? Bah, j'ai fait Fantasy Forest qui est à côté de Champéret déjà. Bon, j'ai fait les voies les plus dures hein. Bon. Ouais, mais en fait, on est bientôt au camp 4, en fait. On a bientôt terminé cette aventure. Franchement. Mais où est la Ça difficulté? J'avais change pas un besoin peu de refill ou quoi, hein. la vision que j'avais de. Ah, mais moi, je m'en étais fou tout un monde du Bah truc en oui! mode putain, mais faut être un Parce surhomme, qu'il en a fait un s'entraîner. monde, mais en fait, on se rend compte Mais en le c'est là, faisant. ouais, c'est là que je me rends compte, quand t'es dans le concret, qu'en fait, mais c'est simple comme bonjour, quoi. Bah oui! Attends! Mais genre, on m'avait Mais pas dit qu'il y surtout avait que. toutes ces échelles! Non, Putain, c'est mais. abusé! Donc je savais pas qu'on pouvait le monter en moins d'une heure en plus. Ouais, hop! Faire des étapes sur 2 mois pour s'acclimater! J'ai pris une bouteille d'eau, une bouteille d'oxygène. Puis je te l'ai fait. Oh bah vous pourrez le dire de notre part, hein. Chochotte. Alors, pas la peine de chialer. Falaise à haute exposition, soyez prudent. Bien sûr.
Pas de problème. Merci Céleste pour les subs offerts. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va faire 10 subs et j'ai oublié ton pseudo et je suis vraiment désolé. Voilà. Oh. Donc Céleste a droit à des remerciements, mais la personne qui en a fait 10 aussi, elle peut aller se faire foutre. Mais je sais plus quand c'était, mais c'était pas le bon moment. Elle a pas un pseudo, c'est bien pour toi. Ça a commencé par un W, je crois. Oui, bah ça lui fera plaisir. Non, si j'ai bon, c'est que vraiment j'ai fait attention. Je sais que toi t'es très loin en arrière. Non, attends. Sache que moi ça bombarde. Hein. Ouais, bah ne te précipite pas quand même, ça reste l'Everest. Mais non, mais je peux le rusher l'Everest. Oui. C'est toi que je vois là. Ça m'étonnerait. Je suis vraiment parti très très loin là. Tu fais trop le malin, je pense. Oh bah je suis au camp 4. Je suis au camp 4. Y'a pas d'eau, camp 4. Y'a pas d'eau. Alerte, y'a pas d'eau, camp 4. Alors ça c'est chaud de fou hein. Parce que là, je t'avais dit, je suis parti à 99 et je vais mourir à cause de toi. Go. À cause de toi, on va crever. Go, mais tu vas pas mourir à cause de 1, 2. Y'a de l'eau. Ici. Oh. Hop là, je me mets à 100. Ok, c'est la dernière étape avant d'atteindre le sommet de l'Everest. T'as eu le temps de te mettre à 100 là. Mais j'ai appuyé une fois et je suis à 100. J'ai pas besoin de toi, attendre toi que tout soit parfait. Hey, je peux être gonzesse hein. Mais y a pas, y avait pas un feu pour se soigner. Putain, y avait pas. Ah oui, t'as besoin de soins. Moi, j'en sais rien. Je suis à 100 depuis tout à l'heure. Toi, il va t'arriver des bricoles à force d'être comme ça. Pour d'être fort. Il faut être humble face à la montagne. Elle, c'est elle qui décide, man. Non, mais ça va être. J'aurais même pas eu besoin de Sherpa. Mais. Quoi? Non, rien, je sens déjà le moment où il va t'arriver une connerie, c'est tout. Bon, si la difficulté quoi augmente pas, je pense qu'il va rien t'arriver. Je te prépare mais à dire comme une petite pétasse karma. Karma is a bitch. Mais je me demande qui a besoin de Sherpa. Il en aura pas qu'un. Hein. Qu'est-ce que. Starful là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bah disons que j'ai deux soins loués. Qu'est-ce qui t'a. Ok, donc tu deux vois. Deux soins ça... parce que sinon c'était la chute. Ça a failli être karma. Bah ouais. Karma, chapeau là. Hein. J'ai pas eu de me prendre. Hein. Oh, le gros X parenthèse qui allait venir dans ma gueule. Mais toujours est-il que je suis encore devant toi. Ouais, mais c'est parce que. Ok, fais demi-tour un coup pour voir si c'est toi qui es devant moi. Ok, c'est pas toi. De toute façon, je suis sur une échelle là. Je l'aurais pas fait. T'es sur une échelle là? Ouais. Je te vois, t'es tout excité, t'es avec l'insecte là. Ah ouais, bah c'est bien moi. Je vois, t'essayes de gagner. C'est plus une aventure à deux, ah c'est une course là. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah les suceurs, ils vont faire tous comme moi maintenant. Ah t'as perdu du temps, tu l'as prise à l'envers. Ouais. Ha. Tu l'aurais prise à l'envers aussi, instinctivement, mens pas. Jamais. Elle est en face de toi. Jamais. Jamais derrière, face à la montagne. Oh. Tu vois, tu te presses trop parce que tu penses que c'est devenu une course. Ah bah y'a un moment donné, j'ai flotté entre deux échelles. Il va tomber. Tu pourras regarder ma POV, hein, c'est pas grave, je te la streamerai. Mais, t'oublies un truc mec, la nature c'est pas ta pote. La nature elle aime personne et elle déteste personne, elle est là, c'est tout. Oh là, je l'ai prise de biais là à l'échelle. Attends, qu'est-ce que c'est que cette perte d'échelle? Qu'est-ce que c'est que cette perte d'échelle? Y'a plein de gens qui tombent. Je me suis enculé les touches de life. Putain de merde. Je suis tombé. Putain, t'es tombé encore. Mais comment c'est possible? Je sais même pas où aller. T'as même pas eu le temps de me dire karma que t'étais déjà baisé. Mais putain de merde. Non mais là par contre je vais mourir. Non mais y'a un problème, c'est que on peut pas là, l'échelle m'empêche de. Y'a un problème mais avec l'échelle. Elle a quoi l'échelle? Elle m'a baisé. Ah. Santé faible, essayez de guérir. Ah ah. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Tu vois, je vais pas le dire, hein. Je vais pas le dire.
Je vais te respecter, je vais pas le dire. Hein. Alors. Putain, non, on aurait pu être là-haut tous les deux. J'ai une pression monstre. Stream-moi ta POV. De toute façon, je vais tomber sur la même échelle que toi. Parce que j'aurais pu reprendre au camp 4. Mais vas-y, ils m'ont dit qu'il fallait que je prête des Robux pour... Sérieux? Ouais, faut payer en Robux, les fils de pute, si tu veux reprendre à partir du camp 4. Donc là, en gros, c'est... Je peux te dire, Inox, s'il tombe, il va pas payer des Robux pour repartir. Il y aura pas de Robux, Inox. Ah non. Alors là, ça allait... Putain, j'ai fait une belle chute, hein. Et je crois que le jeu, il a pas bugué, mais j'ai eu de la chance dans ma chute, je crois. Non, c'était mais là moi, que c'est... Mais moi, ce mec, ma chute, elle était interminable. Je crois que c'était là que tout le monde est tombé, là. Vas-y, avance-toi. Là. En fait, je suis tombé là. Ouais, là où tout le monde tombe, y en a qui s'enculent par terre. Mais c'est quoi le délire avec ça? Mais en fait, c'est pas compliqué. Moi, j'ai fait les corps. En fait, faut continuer de faire tout droit tout le temps. C'est une tarte que c'est la merde. Voilà. T'es mon Sherpa. Et t'es tombé où après? Le crâne. Non mais je suis tombé, mais tu t'imagines pas la chute que j'ai fait. J'ai tout en bas de l'Everest. Mais genre t'es tombé sur cette échelle là ou avant ou... Ah non, là, celle que t'as passé. Oui. Ouais, les échelles non, je pense que bizarres là. Je pense en vrai c'est le seul piège de tout le parcours. Ah sûrement, parce que juste elle est un peu buggée en fait, elle est bizarre. Ouais c'est ça, et ils l'ont mal mise. Ok, c'est tout droit, en plus je suis tout seul là, tous les suceurs ils tombent. Ah mais tu vois, c'est comme ça qu'on serait débarrassé de la vermine, il aurait fallu des choses comme ça plutôt. Ah voilà. Prends bien ton temps hein. Ah c'est nickel. Connard, va, t'as plus rien à dire, tu t'es précipité. Vas-y, parle d'un mort, parle en mal d'un mort. C'est la montagne. Dois le respect. C'est cruel. T'es censé mettre. C'est comme ça. Tu mets une pierre avec marqué Terracide dessus et tu l'as mis au haut de l'Everest, t'as pas le choix. De toute façon, ouais, si on peut le faire avec des Robux, promis, je le fais. Mets une pierre, dommage. Et puis des Robux pour faire ça, c'est sûr. Ah, toi t'as mis ta souris sur l'écran. Moi j'ai eu beaucoup de respect pour les gens, j'ai mis ma souris tout en bas et je me déplaçais constamment. Avec... Ah ouais, non, ils peuvent aller se faire foutre, je veux juste pas tomber. Utilisez la prudence, mais ils ont dit. Mais non, mais tu mets la souris tout en bas. Et tu la maintiens appuyée constamment, et voilà. Ouais, ça c'est si t'avais eu du respect. Mais moi des fois je la lâche. Je la lâche pour aller bien tout droit. T'as aucune raison de la lâcher. Pour être sûr d'aller bien tout droit. Genre là tu vois, je suis sûr que je vais pas bouger mon écran. De toute façon, tu critiques mais t'es en bas en fait, t'es en bas. Ouais bah commence par essayer de grimper un barreau déjà. Gros nul. Regarde. Je suis pas en bas, je suis mort. Regarde. Tu vois, l'intelligence. Ils vont tous rester en bas. Parce qu'ils auraient jamais pensé à des trucs comme ça, par exemple. Jamais. Oh, on est où, là? Oh là là, bah c'est bientôt fini. Bah là, a priori, c'est la fin du camp 4. C'est le camp 5 qui arrive. Ça tremble, mais c'est juste esthétique. Hein. Ça tremble pas réellement. Ça fait un peu peur d'être tout seul, parce que tu peux plus copier les autres. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Bah, il a dû faire une mauvaise chute parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'accroche. Ouais. Ou alors il t'a attendu dans ce crew en mode ah. Le suceur ultime. Ah c'est bon, c'est quasi fini là. J'en suis où là? La moitié de mon oxygène, moitié de mon. Vas-y casse-toi. Tu sais quoi? Vas-y casse-toi. Fais ta vie. C'est quoi? Mais fais pas trembler. Les tremblements n'est qu'esthétique. La physique. Ça dépend. Ne fait pas trembler. Quand elles se sont mises à sauter tout à l'heure, j'ai sauté avec, hein, c'est tout. Mais c'était de la connerie. Sur un coup de malchance, tu peux sauter. Hein. Et de toute façon, tu ne peux pas parler. C'est quoi cette merde? Mais vas-y, moque-toi d'un mort. Vous savez, hein, quand il a vu la célèbre photo du cadavre mec orange en haut de l'Everest, hein, il était mort de rire. Il m'a la photo, il m'a fait MDR, regarde depuis combien d'années il est là le mec. Non mais. En plus, t'es pas mort, t'es juste une pince, t'as pas voulu payer des Robux. Pourquoi faire? Tu m'auras attendu au camp 4 peut-être? Regarde, t'es mal les raccourcis que je trouve. C'est vrai que ça, c'est un mec de raccourci tricheur. Ouais. Hey, t'es d'une lenteur toi, dégage. Pont de la mort instable. Vas-y, casse-toi. Tu sais quoi, je sais que tu vas être à chier dessus. Il l'a fait bouger!
Mais c'est dit, c'est physique, c'est que de la connerie. En fin de compte, quand tu vas tout droit, ça fonctionne. J'ai besoin de crier. C'est psychologique. Tu sais que là, dans 2 minutes, t'es en haut de l'Everest. Ah ouais, et tous les abonnés resteront en bas. Bon, à part lui, là, et lui. Je suis pas en bas, je suis mort. Mais c'est une simplicité, le parcours. Ouais, tu serais jamais tombé. Enfin, vraiment, en fait, il y a aucun obstacle que t'aurais pu tomber, mais... Ça doit être un petit coup de malchance, quoi. Et je respecte les morts. Et je respecte les morts. On dirait pas. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un chemin? Il y a marqué aller par ici. C'est en haut de l'Everest, ça? Oui, oui. Plus aucun obstacle ne nous sépare. Par un piège? Non. Non, il n'y a plus rien là. Et hop là! Félicitations pour votre premier sommet. En combien de temps? Et non, ça compte pas puisqu'on a dû attendre. Oh, la musique. Ouais, c'est pas l'ambiance que j'aurais mis là, mais... par contre, t'es gentil. Petite pierre marquée Terracide avec une photo de moi prise avec un Polaroid. Ouais, je fais ça. Tu la mets Oh non, j'ai oublié ma pierre au camp 1. Oh non. Ah, je peux pas aller la chercher là. Ah, je suis dégoûté. Je vais boire un petit coup à ta santé. Bah attends, mais à aucun moment on aurait eu besoin de se servir de tout ce qu'on avait dans les équipements. Bah ouais, carrément. À part si t'es lent et nul, quoi. Mais qui est lent et nul comme ça? Ce qui est dingue, c'est que regarde l'autre gros nulard de merde. Mais c'est vraiment un des seuls qui est tombé, quoi. Très tôt, en fait. Ouais. Il est trop nul. Il est tombé, mais quand il y avait même pas de difficulté. Regarde tous ceux qui ont pas de vie. Lui, il va mourir. Mais vous êtes tous nuls, en fait. Vous êtes tous tombés beaucoup, en fait. Je suis meilleur que toi. Bon bah, en tout cas... Voilà, oui, on a monté l'Everest avant Inox Tag. Oui, bon, ça va, voilà. C'était pas non déjà, plus... Ça, c'est fait. Et deuxièmement, bah, c'est hyper simple, en fait. C'est même ridicule. Alors, je vais, vas-y, je vais maintenant, bah, tu peux descendre l'Everest. Je vais descendre par l'autre versant. En fait, c'est connu que en fait, tu montes par là et tu descends par là, c'est le plus simple. Et je vais le descendre aussi, c'est marrant. Allez. Ah. Oh, il y a un mur. Ah, il n'y avait pas de mur quand je suis tombé, hein. Là, il y a un sacré mur. Mais je pense que là, à la pointe, il n'y aura pas de mur. Saute. Ouais, déjà, il n'y a pas de touche pour sauter, c'est le problème. Aïe. T'as fait une petite zipette. Oh oui, là. Là, il y a une zipette. Oh oui, là. Oh, oui. Oh la zipette. Oh là. Oh. C'est mais ça te tue pas ça? En fait, si je serais pas tombé tout en bas de l'Everest... Putain, je suis même pas mort. J'aurais pu encore être en vie. Hein. C'est permissif, hein. T'as dû faire une belle chute. Ah mais elle s'est jamais terminée. Oh, voilà. Accident malheureux. C'est ça, voilà. Voilà. C'est ma chute, ça. C'est ma chute. C'est ma chute. Oh, l'accident malheureux. Très malheureux. Et voilà. Bon, hey, vous avez d'autres classiques Roblox comme ça à nous... Ah, j'aime trop, moi, à nous conseiller. Il doit y avoir des modes Roblox, mais pas les tapines. D'ailleurs, des trucs vraiment bien qu'on connaît pas, genre... Des trucs vraiment, vraiment bien, quoi. Ah, chacun dit son petit truc, c'est que des noms. Titanic, dinguerie, vraiment. Titanic. Roblox Titanic? Ou Tragédie du Titanic? Il y en a plusieurs là. Comment? Il y a différents modes de caméra, mais il marche pas. Ouais, je sais, vous dites tous The Doors, mais je vais d'abord tester un truc qui est pas tapine, s'il vous plaît. Donc je fais. Je prends ce Titanic là, on est d'accord. Parce qu'il y en a plein qui s'appellent Titanic, ouais, c'est une dinguerie. Combien de modes différents? Ok. Et c'est en multi ça? Mais il se passe quoi? Oh, trop bien. Attends, j'aurais dû dire en fait, il y avait un texte. Putain, on peut régler la caméra pour pas rester appuyé sur clic droit. Ah ouais? Ouais, c'est fou. C'est quand même beaucoup mieux. Alors rejoins-moi, parce que là, je t'avoue que je comprends pas parce que... Alors... Comment je me casse?
Ok, t'es là. Ouais. Alors, on prend quoi comme classe? Alors. On va pas aller en salle des machines quand même. On prend grand escalier. Vas-y, nous on est nobles. On accueille les invités. Mais, Voilà, c'est et qu'est-ce exactement ce que qu'on... j'imaginais. Et du coup... Ah mais attends, je pensais qu'on aurait un poste. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On peut juste se On est taper embarqué dessus. avant du Titanic? Lifeboat. Là, on a juste... C'est tout. On est à bord du Titanic et on... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces trucs d'escalier là? C'est pour... Attends, viens, on va chez les pauvres. Ouais, dans les chambres des pauvres. Faut aller tout en bas, quoi. Non. Si. Ah, la musique s'est arrêtée d'un coup chez moi. Si, attends, il y a des chambres de pauvres là. Fin de l'ambiance. Pourquoi ça sonne? Parce qu'il y a un iceberg droit devant. En fait, ça veut dire que c'est... Non mais attendez, c'est un Oula. truc de taré. Voilà, Qu'est-ce que... c'est. Qu'est-ce que Il y a c'est? une big échelle. Ah ouais, vas-y, je suis descendu tout en bas. Je suis dans la salle des machines. Shut. Found the chest. Attends, mais il y a des trucs à faire là? J'ai Tu peux ouvert. fermer ou ouvrir les trucs, mais. Bah, mets du charbon dedans, vas-y. Bosse un peu, merde. On peut ramasser le charbon? Non, on peut pas. Je pense qu'il aurait fallu se donner une claque. Classe. Faut faire quoi en fait? Bah par là, hein. Vas-y. Attends, ma valise. Ah, j'ai rien dedans. Ah ouais, j'avais même pas vu. Il y a un roleplay name. Ah, mais c'est tout simplement du roleplay, quoi. Hein. Mais c'est-à-dire... Mais pourquoi ils t'ont dit genre Titanic dinguerie? Mais mec, je ne sais pas du tout. Mais pourquoi dinguerie? C'est une map du Titanic. Elle est jolie, mais bon. Non mais... J'en ai rien à branler moi. Ouais, la même. Attends. Eh, je vais sur le pont avant. C'est quoi, moi je vais sur la cheminée. Ah, attends, la nuit tombe. C'est la nuit qui a eu le... Moi je suis sur la vigie. Mais attends. Ah, c'est moi qui sonne la cloche. C'est vrai que le bateau est penché, là, c'est quoi ce bordel? On est tous sur le pont avant, hein. Bon bah, y'a un mec qui est mort! Y'a un mec qui est mort! Oh non! Vous faites tous la scène. Bon, ouais, la deuxième mort. Vous poussez pas. Mais il y a un moment donné, il y a... Oh, y a un Oh! autre. Oh, Oh, on va, en face! En face, en face! iceberg droit devant! Oh putain, ça y est! Oh, ça va être bien. Ça y est, c'est parti, c'est parti! Ah, ok, ça va être bien. Ça y est. Là, il faudrait que le capitaine vire. À gauche, mon capitaine. Ouais, faut tourner. Quelqu'un conduit ce bateau? À gauche, à gauche! Ça a frotté à droite, faut tourner à gauche. Ah merde, j'aurais dû rester là-haut pour sonner la cloche! Il fallait sonner la Sonne cloche! la cloche, enfin sonne la J'y cloche, retourne, vite! j'y retourne! Dépêche-toi! Oh putain! J'y retourne! Oh putain, Oh, moi attention! seul peux éviter la catastrophe! Je trouve plus! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Faut que je trouve où c'est, j'ai Ça va oublié! taper, ça va taper! C'était où? Oh putain! C'est une question de seconde! J'ai trouvé, j'ai trouvé! Je monte! Vite! Ça va cogner! Je sonne! C'est le moment de tourner! Trop tard! J'ai sonné un peu trop tard! Oh, ça va, attends, ça passe, ça passe! Oh, c'est bon! Ça passe! J'ai sonné au bon moment et il a tourné au bon moment aussi! Ah non, c'est pas bon, c'est pas bon!
Oh, ça tape là, ça tape là. C'est pas bon, c'est pas bon. On frotte, on frotte, on frotte. Ça passe. Avec la partie submergée, on ça frotte. Ça passe, ça passe. Hop, aïe aïe aïe. Ça passe, rien de méchant. Aïe 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 aïe. Y'a rien de méchant, vous inquiétez pas. C'est bon, il est derrière. Que tout le monde se rassure. Il faut vite mettre du flex tape. Ah ouais, là, une bonne. Faut aller dans la salle des machines. Vite, sortez tous les rouleaux de flex tape. Vite, allez dire à tous les invités qu'il faut pas s'inquiéter. Ok, je vais descendre dans la salle des machines pour voir comment ça se passe. Moi, je vais sais commencer plus où c'est, la salle des machines. À aller chercher ici, une place tout. Dans un canot de sauvetage. Ok, je descends. C'est la salle des machines est complètement submergée. Ah merde, ça y est déjà. Je ne peux pas remonter. Je remonte. Je viens de chercher, j'arrive. Vite, il faut qu'on trouve une place dans les canaux de sauvetage. Je remonte, je remonte. Ok, je suis près des canaux. Je suis près du. Ok. Get first class access. Je suis là, il faut me réchauffer, vite. Putain, pour être en première classe, faut mettre des Roblox. Quoi, les fils de pute, il faut payer. Oh chien, on va mourir parce qu'on n'a pas de Roblox. Comment je fais pour accéder au canot de sauvetage? En fait, faut être de l'autre côté, comment je vais de l'autre côté? Je sais pas, ils sont pas configurés. Ah, y'en a un qui est configuré là. Attends, va. Pas sur moi. Pas sur les femmes et les enfants. Je suis dans un bateau, je suis assis là. Attends, non. T'es pas dans un bateau, attends. Si, je suis dans un bateau, vas-y, je t'attends. J'suis sur le flanc gauche ou le flanc droit? T'es un bâtard, y'a plus de place. T'as un bâtard ou un tribord? Je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire. À gauche ou à droite? Je suis à droite. Ah, mais je suis à droite alors. Mais y'a plus de place, c'est terrible. À part si quelqu'un paye des Roblox. C'est pas vrai, poussez-vous. Non, ouais, regarde. Vite, maintenant, y'a une place. Mais c'est parce qu'il y a les femmes et les enfants et les streamers. Vite, prends une place derrière moi. Comment je fais pour trouver une place? Comment je fais? Voilà, t'es assis, c'est bon. Allez, dégagez les gueux là. Ah, dégagez. Pardon les pauvres. Vous voyez, mais d'abord les riches, c'est comme ça. Vous voyez pas qu'on est des femmes? Allez. Oh, c'est pour mon bébé. J'ai mis un coussin sous mon sweat. J'ai un enfant, il est pas ici, mais j'ai un enfant. Voilà. Allez, vous pouvez nous faire descendre. Pourquoi y a un avion là? Il faut que quelqu'un. Qu'est-ce que ce bordel? Ah, je dois avoir pas mal de Roblox là. Ouais, putain, le riche. Mais qu'un capitaine du navire fasse descendre notre bateau, par pitié. Ouais, puis ça tangue, j'ai la gerbe, là. Allez. Non, mais... Allez, faites-nous descendre. Ouais, c'est le 11 septembre ou quoi? Il y a que ce il s'est craché ici. Il a mélangé deux événements. Allez. Mais que quelqu'un nous fasse descendre. Oh, le skin du bébé gros, là. Dégueulasse. Regarde comment ils me regardent. Ah, il est immonde ce fils de pute. Laisse-moi une place. Les femmes et les enfants d'abord. Je mérite une place. Il est dégueu. Mais là on est en train de couler et personne n'est en train de... C'est quand qu'on peut y aller là? Mais je vois les étages disparaître petit à petit. Bon, écoutez... Sauvetage, pas sauvetage, ce cookie au chocolat va directement dans mon gosier. J'ai acheté des trucs. Attends, je vais en chercher. Ouais, on a le temps, hein. Non, mais je suis bien d'accord avec vous que la barque, elle va flotter. Mais on est attaché. Donc elle va flotter, certes, mais elle va couler avec le Titanic. Quelle heure, patron? À quelle heure ils le disent? Ils disent quoi? Je sais pas, ils ont dit quelle heure. Mais... J'ai dit que j'arrêtais. Ils sont trop bêtes. C'est fini. Ok. Mais là, je suis avec la tête de... Tu te râles, tu vois? Ah oui. Mais pourquoi? Mais... Non mais ouais. Non mais il était là par contre à l'événement. De... Bah, DJ Khaled, au crash du Titanic. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont remis dedans parce qu'il y était, ouais. C'est juste une reconstitution qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Hein. Mais quand est-ce qu'on descend?
Ah, j'ai envie de te dire, indéniablement, tout de suite. Ah, petit à petit, on descend. Allez. Hein. Oui, c'est vrai que, bon, on va finir par y être. Je vois qu'il y a plus... Ouais, il y a quelques rangées de fenêtres qui ont disparu quand même. Quand est-ce qu'ils se séparent en deux ? Notre bateau, il est cassé, hein. Bah, c'est surtout que les cordes, il faut lâcher les... Enfin, faire descendre les cordes, quoi. Mais dans le film, il y a un mec chargé de ça. Allez-y ! Ouais, il y a un mec qui est payé pour faire ça, là. Je vais manger mon truc. Vous saviez que la quatrième colonne était une colonne factice ? Ouais. Bon bah voilà. Mais... Ils vont nous laisser ? Vous voyez bien qu'on la mérite cette place. Putain. Oh là, il y a eu un bruit là. Il y a eu une explosion. Il y en a qui sont déjà dans l'eau. Hein. Y'a pas quelqu'un pour faire du violon ? Ah ouais, s'il vous plaît. Et donc ça, c'était le top 2 des modes que vous me conseillez, quoi. Bah c'est énorme. Merci de nous l'avoir conseillé en tout cas. Mais même les gens qui ont vécu Titanic, ils ont dû se faire chier, hein, parce que c'est long. Bah ouais, parce que là je regarde le bateau couler, puis je me dis bon bah, prends une décision quoi. Je vais quitter là. Mais non, mais que quelqu'un nous... Que quelqu'un nous fasse tomber. Juste, moi je veux voir la séparation du Titanic en deux. Là je vais... Mais pourquoi il n'y a qu'un seul des canaux qui est... C'est trop bon les pick-up. Ouais, c'est classique les pick-up. C'est grave bon. Le seul truc que je reproche aux pick-up, les mecs font une discussion de ouf alors qu'ils sont en train de couler dans le Titanic. T'imagines ? Avant qu'ils étaient en train de couler. Moi, ce que je reproche aux pick-up, y a quand même c'est un qu'on truc peut pas séparer, on peut pas séparer le biscuit du chocolat. Voilà, c'est le seul truc ouais, que j'ai à reprocher du pick-up. C'est bien collé. C'est fusionné, voilà. Oh bah, je viens d'enlever le biscuit. Non, tu peux pas enlever. Tu peux arriver à enlever des morceaux, mais ça reste fusionné. Bah ouais, un morceau est bien parti. Mais tu sais quoi, tu le mets au micro-ondes 15 secondes. C'est vraiment nickel. Un truc de cochon de faire ça. Hein. Rien qu'avoir l'idée, pourquoi c'est être. Eh, on descend là. Ils se sont enfin décidés à nous faire descendre les ramasse merde. Ah putain, bah merci. Ils se sont mis chacun d'un côté là. Eh, descends plus au trou du cul là. Notre bateau il part en couille. Eh, hey, à droite, descends, idiot. Putain, à droite. Le bateau, ils ont... Il fout rien le mec à droite. Quoi, à droite. Eh, hey, France là. Allez France. À gauche, arrête de descendre aussi là. Tu vois bien que tu descends plus qu'il ne faut. Y'a un mec là, le gros port. Gros port, à droite. À droite. Mais on est en train de tomber, fils de pute. Putain, alors mais qu'à que gauche, quelqu'un prenne le contrôle. À gauche, ils étaient trop bien ces chiens. Regarde, ils sont en train de partir ces mais chiens. Mais putain, mais nous, mais c'est statistiquement impossible qu'on soit comme ça là. On peut pas tenir. Vesking, s'il te plaît. S'il te plaît, Vesking. Mais c'est lui en plus, mais c'est Vesking. S'il te plaît. Vesking, fils de pute. S'il te plaît. Non mais... Vesking, je te banne. Ok, putain. Ah, putain. Qui conduit? Où sont les rames? Qui prend le contrôle de ce bateau? Y'a bien quelqu'un qui a le contrôle. C'est pas toi, t'es au milieu. Moi je peux pas. Ah, y'a quelqu'un là, qui est en train de contrôler. Ouais. Eh, hey, dégagez ceux qui ont pas de place sur le bateau là, ceux qui sont debout. Arrêtez de porter secours à ceux qui se noient, merde. Eh hey, franchement, ouais, s'il y en a qui tombent, on avance.
Laissez-les ouais, derrière, laissez-les derrière. Ah mais comme dans le film, hein, faut... Allez, vous accrochez pas notre bateau là, y a pas de merde, place pour merde, tout le merde. Monde. Oh je me suis levé, les chiens ont pris ma place. Oh, me dis pas que t'es... Je suis en... Oh là 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 là. Eh bah chacun son tour, t'es mort pendant l'Everest, bah tu vas mourir... Je crois que je vais crever sur le Titanic, hein, vraiment. Prends ma place. Alors là... Ouais, j'aimerais bien, mais il va trop vite t'arrives le bateau. À... Oh, c'est bon. T'arrives à... Oh putain, merci, j'ai repris ma place. Ça a fait tomber ceux qui sont debout, là. Fais pas gaffe, mais derrière toi, il y a un mec qui est bizarre. Ouais, je le vois, mais... C'est lui. J'ai trouvé une place sur le bateau. On a eu une sacrée chance, hein. Franchement, une tête merveille au fond de l'océan. Ça fout le cafard. C'est le sens que moi j'ai survécu. Hein. Je vais me mettre là, ça prend pas beaucoup de place. Pour pouvoir perpétuer l'espèce. Ah, c'est bon, tu es là, il reste encore trois mecs debout là. Eh, le mec qui conduit le bateau là, fait des gauche-droite là, c'est bon, fais un truc là. Allez là. On a gagné là, je pense. Hein. C'est quoi la prochaine step? Attends, bah là, la step, non, c'est que le Titanic se coupe en deux. Oui, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, ça te bah, part pas trop loin, frérot. C'est pas une bombe nucléaire là qu'on va essayer de fuir. Ouais, j'ai vu un mec, il était à fond sur le bateau. Il y a des mecs encore sur le bateau, ils cherchent des canaux. Les mecs qui sont pas encore réveillés, ils sont encore dans leur chambre. Hein? Allez, Malti, t'es bientôt mort, franchement, saute, ça sert à rien que tu essaies de survivre là. Casse-toi. Attends, j'ai bien entendu. Place. Quoi? Non, je pense que j'ai mal entendu. T'as cru que j'avais dit quoi? Non, rien. Bah, dis, sinon c'est pas drôle là. Non, mais t'as dit quoi? Toi, t'as dit que tu pensais que c'était quoi? T'as cru que j'avais dit quoi? Je pense que t'as bien dit ce que je t'ai dit. Non, parce que personne comprend. Là, enfin, chez moi, peut-être que t'as pas compris. Okay. T'as pas... Non, non, mais c'est t'as bon. T'as cru que j'avais dit quoi? T'as parlé de Malte? Malte, l'île, non? Ou, pas du tout. Ou un truc en halte? Oui, Malti. Ah, Malti, oui. Oui, le gars qui va crever là. Ah putain, ok. Ah, mais il y a vraiment un Malti sur le bateau, ok, putain. Oh là, le quiproquo. Mais tu croyais que j'allais dire quoi? Le quiproquo. Ah, d'accord, je viens de comprendre ce que vous avez entendu. Oh, le quiproquo de fou, j'étais sûr que t'avais dit ça. Et j'étais en mode, genre, lâche, tu vois, lâche, c'est mort, hein, c'est lâche. Mais non, c'est que Malti il va bientôt crever, il essaie de survivre, casse-toi de là. C'est tout. Ah, putain, c'est ah, trop drôle. Ah, effectivement. Ah, c'est trop drôle. J'avais vraiment compris ça. Je me disais aussi. Bon, ben voilà. Alors, mais la prochaine fois, j'articulerai correctement. Moi, je me suis dit. Quoi, il a entendu le N-word, c'est pas possible. Non, 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 tranquille, mais... Ah. Bon, bah, faut se couper en deux maintenant, hein. Ça devrait pas tarder, là, c'est bientôt le moment. Normalement. Franchement, quand ça se coupe en deux, il est quand même bien, bien dans la flotte. Hein. Mais regardez, il y a plein d'autres bateaux qui vont dans l'eau, bande de merde, là, arrêtez d'essayer de survivre. Ouais, changer de bateau, tiens. Allez, hop. Bateau allez, droite. Allez. Switch. Allez, allez, on saute. Sinon, vous allez mourir. Hein. Là, on vous a mis à côté pour vous surviviez. Si vous ne surviviez pas, on va vous faire crever ailleurs. Voilà. Voilà, comme ça, il y a moins de poids, puis on est plus à l'aise. Et l'autre qui est derrière. Allez, comme ça, ça sera mieux pour tout le monde. Mais je crois que c'est lui qui contrôle le bateau en plus. Ah, c'est lui. Je pense vraiment que c'est lui. Bah, je vais vous décharger, on n'est pas des mecs. Allez, venez, on y va. Mais il y a trop de gens en vie, là. Bah ouais. Mais je crois qu'ils peuvent pas voler. Y a pas un truc où les gens, ils volent des fois. Moi, des fois, je vois les gens voler. Bah, il y en a un qui a un avion, apparemment. Bah ouais, donc je suppose que tout est possible. Quelques Roblux. Mais tout est possible avec des Roblux. Ouais, mets ta cam dans l'eau. Ça fait un effet de dingue.
Tu parles juste du PNG avec des gouttes. Mais un PNG de gouttes. Alors c'est ça les... Ouais, c'est dingue, non? Ce qu'il disait avec Roblox, vraiment que tu peux faire des jeux de dingue dedans, regardez. Ah bah tu peux... Eh, y a aucune limite. Enfin, c'est si. Dingue. Il a dit, les gens pauvres, jetez-vous à l'eau. On continue la traversée jusqu'à New York City. Allez. Mais non, cassez-vous. Oh mais l'autre avec son avion, faut qu'il arrête. Ouais, ça c'est... Hey. Ça c'est pas vrai, hein. C'est pas ce qui s'est passé. Hein. Ça n'existait pas. Hein. Ou alors c'était vraiment un bâtard le mec qui était en train de survoler l'événement. Mais non, mais il avait un bête d'avion pour l'époque pour arriver à être là en avion. La Manche, je jouais bien, mais l'Antarctique... Ouais, j'avoue. Bon bah voilà. Attendez, ça va bientôt arriver les gars. Oh putain. Accrochez-vous. Donc là, physiquement, il doit prendre une belle pression. Oui, en fait, c'est parce que le poids, malheureusement, de la charge submergée dépassait celle qui était... Voilà. Ah yeah. C'est le moment d'envoyer des fusées éclairantes ? J'en ai vu bruit. Une. J'ai vu une fusée éclairante. On les laisse faire leur boulot, nous, on est bien là. En vrai, t'es à la place des mecs sur la barque là. Tu vois ce qui se passe, tu vois les gens dans l'eau et tout ça. Ok, c'est horrible, mais il y a une petite partie de toi qui doit te dire putain, là, on est bien. Putain, j'ai chaté. Ouais, t'es obligé, tu dois te dire au fond de toi. Eh ben franchement, ça fait plaisir. Ah ouais, je pense que t'es de bonne humeur, t'es... Putain, ouais, tu vois cool. Tout le monde dans l'eau, toi t'es au chaud, ouais. Tu te dis bon, ouais, franchement... Tu sais, tu regardes les gens dans l'eau, tu te dis putain, franchement, je compatis, mais... Je suis quand même content d'être là où je suis, je vais pas vous mentir. Ça doit être froid, hein, j'aimerais pas être en mode... Oh là là. Ça se trouve, ça coule vraiment en temps réel. Hein. Il y a moyen que le mec s'est renseigné et il a vu que ça s'est écoulé en tant de temps et... Oh, oh, oh. Ça y est. Oui. O7. Ouais, la musique originale n'était pas libre de droit. C'est quand même pas mal. Ouais, ça va, il y a des... ça ressemble un peu. Putain, c'est triste. Et lui, il a une barque pour lui tout seul. Oh, il est bien, ils sont bien là. Hein. Ils sont deux. Putain, il va se lever bien sec là. Non mais, te non, mets mais pas là. N'abusez ça... pas. N'abuse bah, te pas. Mets pas là. N'abuse mais pas. Il veut... revient dessus. Il nargue les autres. Oh là, la cheminée. Ok, première cheminée. Première cheminée. Oh là, tsunami. Ouh, c'est chaud. Première cheminée, décrochée. Oh le bazar. Mais tout le monde est venu à l'assister à l'événement. En fait, personne veut s'en sortir, tout le monde veut juste voir ce qui va se passer. Attention. Putain, mais on avance tout doucement dessus. Mais quand ça va se briser, on est dans la merde. Faut pas qu'on reste là. Ah oui. Ah, je dézoome pour bien voir là. Ah ouais. C'est ah, long à couler hein. Ah non, on regarde ça, la vitesse hein. Des fenêtres qui disparaissent. En vrai, il y en a, il monte dans la cheminée tarée. Pas la meilleure idée. Eh. Hey. C'est bon, un peu de couille. Moi, j'y vais. Allez. J'y vais. On va survivre si on va jusqu'au tout au bout. Ouah, c'est... Ok. Cours. Vite. La structure du bateau commence à être sous pression. Oh là. Cours vite, alors. Bon, bah, ouais, allons-y. Ouais, la flingue. Allez. Allez, on se met à l'avant et on fait Oh-Is pour le faire redescendre. Is. Je crois que dans le film, il s'accrochait
au niveau des pales. Ah oui, sur les barres, et après il se prend des... Ouais, il se fait de l'autre côté des barres. Mets-toi sur les bancs, tu pourras pas tomber. Ah oui. Attends, même tout c'est au fond, bon. Là. Et ben voilà. Oh là, deux cheminées. Deuxième cheminée. Attention, là, ça devrait pas tarder à se décrocher. Le Titanic Liverpool. Là, on est vraiment très en l'air. Là, c'est anormal d'être aussi élevé là, c'est chaud, par rapport au seuil de l'océan. Il y a des barques en dessous. Ah, il y a des barques qui vont se taper une belle vague. Hein. Oh là. Et là, c'est une fusée de détresse. Messieurs, c'était un honneur. Oh. Oh. Ah merde. Plus d'électricité. Qu'est-ce que... Oh putain. Plus d'électricité, ouais. Donc, pardon, mais il aura fallu attendre longtemps. J'aurais jamais cru finir mes derniers instants avec DJ Khaled. DJ Khaled. Et Katos. Oh putain, là c'est... Oh là, ça y est. Eh putain, j'ai tout loupé. Ça, oh là, tout est pété. Putain, tout j'ai zoomé une fois sur DJ Khaled et j'ai loupé ce que je cherche depuis tout à l'heure. Ok. On reste là. Eh ben on est bien là. On va le faire. Ok. Ça penche, ça penche un peu. Ça se lève. Ça se lève. Ouais, ça se lève bien vite, bien vite, hein. Ouh. C'est chaud là. Attends, mais je suis sorti de mon siège là. Ah. On se fait tirer par l'autre partie du navire. Pour l'instant. Mais à un moment donné, l'autre partie du navire va se décrocher et on va retomber d'un coup. Pas de soucis. Attention, ça va arriver dans pas longtemps. Tu crois pas qu'on se fait pas juste tirer au fond de l'océan? Pas pour l'instant, non. La deuxième partie va se décrocher. On va retomber à plat d'un coup. Attention. Attention. On est bien accroché là. C'est déjà fait. Ah bon? Je crois. Hein, ok. Là, alors. Bon bah. Là, si on se décroche du banc, à mon avis, là, on tombe. Heureusement qu'on est bien accroché au banc. Le problème, c'est que irrémédiablement, on va finir par toucher l'eau. Il semblerait. Alors. Et on sera les derniers survivants. Et moi, le premier. Ah. De ce navire. Bye bye pour people. C'est pas grave, les autres bateaux sont là pour nous aider. Et voilà, on coule tranquillement. I'm rich, so an helicopter will come and help me. Il est très détendu sur son banc. Alors qu'il est sur le banc en train de couler. Mais lui, ça me fume parce que il connaît personne. Il fait juste sa soirée sur Roblox en mode j'écris des trucs, des conneries là. C'est plus drôle, je suis dégoûté. Hein. Ouais, vraiment. Ok, on a bien un bateau qui va venir nous aider là. Ouais, certainement, il se passe des trucs en dessous. Hein. Oh, oui, ça coule fort. Attends. Ah, y a un bateau là. Y'a un bateau, quoi, mais on n'est pas dans les canaux. Ah merde. Attends. Est-ce que j'ai des coups, je me décroche et je vais sur la rambarde. Oui. Non. Je... Ça coule. Faites-moi de place. Comment on fait de place? Comment je remonte? C'est bon, j'ai une place. J'ai une place. Vite, emmenez-nous au bateau. Ok, je crois qu'il sait ce qu'il fait.
Oh là, oh là, bah attends-nous, attends-nous, attends-nous. Oh, c'est quoi ce créneau là? C'est quoi ce créneau? Où là? Attends-nous, ouais, voilà, on arrive. Le RMS Carpathia. Encore 170 secondes pour être rescue. Le RMS, arrête de pousser, fils de pute! J'étais sur l'échelle! Pardon, capitaine, je voulais pas. C'est bon, je... Ah, c'est dur de prendre l'échelle! Ah, je suis pas du bon côté. Ah non, t'es pas du bon côté. Allez! Voilà. Et bah voilà. Attends, ah bah on aurait pu monter des canaux. Oh putain, oh les canaux, putain. Oh la vache. C'est une Beyblade. Y'a une microbe qui danse. Ah putain, y'a un capitaine. Bah oui, ça se voit que c'est contrôlé par un joueur, il fait n'importe quoi. Quoi, et là il va nous emmener jusqu'à New York? J'ai mon siège. Jure, il y a des sièges. Il y a des vieux sièges de merde. Ouais, je suis remonté dans un bateau! Parce qu'il fait n'importe quoi! Ah, c'est toi derrière au loin là? Il y a un bateau qui a spin dans tous les sens et ça m'a fait monter dedans d'un coup! Je suis tout seul dans un bateau! C'est toi au loin là? Je vois un tout petit bateau derrière! Je suis dans le navire! Je flotte. Je suis dans l'eau! Il faut dire au capitaine de s'arrêter! Ok, attends, je lui ai dit. Je vais perdre la vie! Comment on dit le chat dans le chat? Mais je marche. Je sais pas comment on parle dans le chat. Oh putain. Attends. Putain. Comment je parle au capitaine? Je ne peux pas sortir du bateau. Tout le monde lui dit stop, stop, stop. Mais de toute façon, je suis coincé dans le bateau. Je suis à l'intérieur du bateau. Non mais me dis pas qu'il a repris un iceberg là. Je suis dehors. Qu'il s'arrête. Attends, je crois qu'il fait demi-tour. Mais on te voit même plus en fait. Je vais mourir. Je sais même pas où t'es. Je suis dans l'eau. Je vais prendre l'échelle. J'ai aucune idée d'où t'es. Ah, c'est bon. Ah. Oh. C'est bon. Rich man in the water. Oh là. Stop the boat. C'est ce que le crop il a dit. Non, c'est la poule. Il a dit ça. Ah. Rich man the water. Stop the boat. Ah. Et ben voilà. Et ben bravo. C'était pas de tourpeau hein. Ah. Mais tout comme l'Everest, plutôt facile de survivre. Ah, finalement, on se démerde quoi. Titanic. Suffit d'être assez malin, c'est tout. OK. Putain, vous avez pas une autre mini-hardise? Putain, on est dans la liste des survivants, quoi. Mais une vraie mini-hardise, parce que là, vas-y, vous êtes nuls, je pense. Faut pas que j'oublie ça, un mec. Arrêtez de dire Doors. Tout le monde dit Doors, tout le temps, dit Doors. C'est quoi, Doors? C'est un truc d'horreur que tout le monde connaît, c'est le seul truc qui est connu, voilà. En gros, c'est le Minecraft de quand on demande un jeu auquel jouer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Guts and Black Powder, ça se passe pendant la guerre de Napoléon avec des zombies, il y a plusieurs modes de jeu. Non mais y a pas des petits trucs à la con genre? Des petits trucs à la con. Un concept simple et efficace. Parce que dans les populaires, c'est facile d'aller dans les populaires. Partout on peut aller dans les populaires. Ah, jeu ça de tsunami. Oh. Survivre à un écrasement d'avion. Oh! Je joue à survivre à un crash d'avion. Vas-y. Et au pire, c'est pas pertinent un chat Twitch pour demander sur Roblox. Parce que chacun dit pub, un mode de jeu. C'était une pub dans le lobby du Titanic. Hein. Ah. T'en sais rien du coup? Non. Vraiment, j'en sais rien. J'attends que tu me rejoignes. Au revoir. J'arrive. Ok. Allez.
Main cabin. Ben je vais main cabin. On peut s'asseoir où on veut. Ah putain, on n'a pas le droit d'aller partout. On est pas en business. On a pas le droit. Business. Ah les bâtards. Et à l'étage. Oh, on peut aller dans la suite VIP quand même un peu. Ouais. Bah attends, on se fait pas chier là. Ouais. Oh, cockpit. Faut être capitaine. Putain, il y a des gens, ils payent pour être capitaine dans des trucs comme ça. On est où? On est à l'aéroport là? On n'a pas décollé encore. Ah non, on est sur la piste. C'est pas la piste, je crois. Non, on est pas sur la piste de cage, on est sur la piste, on est sur le tarmac quoi. Bah, je regarde dehors, je vois rien. Mais si, espèce de fou furieux, va. Y'a quoi? Mais il est fou ce mec là. Mais il sait pas reconnaître un tarmac du ciel. Bah, à part des ailes, y'a quoi là? Ah là, on décolle, là, on décolle, là, on décolle. Ah oui, on décolle bien là. J'ai pas le droit normalement de pas m'asseoir durant le décollage. C'est conseillé de s'asseoir. Je vais aux chiottes. Oh, elles sont pas ouvertes. Oh pas putain, assis-toi, assis-toi hein. Pourquoi? Oh, j'ai failli partir en couille vénère. Je me suis envolé. Je peux commander à bouffer. Alors, Captain Pass. Ça coûte combien? Tu peux mettre ton FPS. Ouais, en zoomant au max. Ouais. Mais cette maudite souris, elle est chiante par contre. Hein. Mais tu peux régler ça. Ah bon? Règle en toggle dans les paramètres. Je crois que c'est ça que j'ai mis tout à l'heure, en toggle. De quoi tu me parles? Fais échappe. Ouais. Paramètres. Ouais. Oh, ça me l'a remis par défaut, mais. Classique, suivre, caméra toggle. Caméra toggle. Ça me l'a remis, mais. Et après, tu fais une fois clic droit. Ah! Et normalement. Ah ouais! Après, ça ah va ouais. pas sauvegarder, mais je crois qu'il faut le remettre. Ouais, ouais, c'est bien ça. Voilà, et puis là, on doit attendre une demi-heure qui se crache. C'est en temps réel, hein. Le crash arrive dans 5 heures environ. C'est un long courrier. Ouais. Alors moi je vais me mettre du côté. Attends. On peut s'installer, t'es où? Ah mais voilà, maintenant je vois de quoi tu parlais. Je vois l'aéroport là. Quoi? Mais là on est dans le ciel. Ah bah moi je vois un aéroport là. Mais on est dans le même avion? Je vois le lobby où. Attends une minute. Mais comment t'as pu vivre le décollage si tu vois l'aéroport? Bah ouais, j'ai vécu un décollage. T'es où toi? Mais t'es là toi. Ouais, t'es là toi. Attends. Bah ouais, mais t'es mal, t'es un malade mental. En face de toi là, y'a quoi? Par la fenêtre. Bah là maintenant, y'a le ciel, mais si je regarde en bas, je vois le sol. Ah bah moi, en face, y'a juste l'aéroport. Moi, c'est bugué hein. Ah ouais, t'es fou toi. Là, on est dans le ciel hein. Je suis pas fou, c'est juste le jeu, il est fou là. Parce que moi, y'a un bel aéroport devant moi. Bah tu vas vivre un crash Ça va être nul parce qu'en fait moi j'ai pas de map extérieur en fait. Personne n'a de map extérieur. Parce que genre tout ce que tu disais au début je le voyais pas, le tarmac et tout. Bah là c'est le ciel juste. Moi y'a juste rien. Oh là, pourquoi on reprend l'altitude comme ça? Pour mieux se crasher. Attends. Wow. Faut qu'on arrête de bouger partout et faut qu'on s'assoie. Ouais mais qu'est-ce que c'est chiant. Ça me rappelle quand on avait vraiment joué au jeu le simulateur d'avion et qu'on faisait rien pendant une heure. Attends, je me mets... C'était vraiment horrible. Je vais me mettre ici, comme ça il y a personne ici. Vous êtes tous des suceurs. Tous autant que vous êtes des gros petits suceurs. C'est un truc de ouf, je vais être tout seul. Laissez-moi tout seul, je vais être là. Mais cassez-vous. Mais cassez-vous. Y a un mec, ça fait quand même depuis l'Everest, qui me suce le cul. Hein. Depuis le sommet de l'Everest, il me suce le cul, ce mec. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Oh là, on pique, là. Oui.
Oula. The plane is going down awfully fast. Oui. Probable. Oula. Donc les masques à oxygène sont sous votre siège. Normalement. Oh, ça ouvre les compartiments à bagages. Pourquoi faire ? Ils s'ouvrent. Parce que les turbulences les ouvrent. Mais je prends des dégâts, moi. Oh, il y a les masques à oxygène. Mais faut que je prenne un masque à oxygène ou quoi ? Eh ? Ça m'a fait sortir Ah oui ? Ça m'a fait sortir de l'avion. T'es mort ? Ouais. T'es décédé, là ? Bah, je me suis retrouvé au lobby. Alors que j'ai rien fait. Attends, je te stream. Tu t'es fait tuer. Quelqu'un t'a tué. Ah, mais moi aussi ! Oh bah, laisse tomber. Bon. Au revoir. Super. Alors, donnez-nous un mode de jeu qui est marrant. Quand ça se déguste sur le pouce. Moins d'une heure. C'est une dinguerie comme tu peux tout acheter dans ce putain de jeu. Il y a des costumes dans le lobby de l'aéroport, quoi. C'est ouf. Classe à faire. Pour 49 Robux, ça va. Franchement, j'ai... Ah, Altitorture, c'est un jeu en coop à deux où vous êtes tous les deux attachés et vous devez faire du parcours ensemble en allant vers le haut. Ça, c'est pas mal. J'ai moyen de faire des chutes vénères. Ok, Altitorture. Ça, c'est pas mal. Merci, parce que... Pardon, mais les trous de balles qui me donnent juste un nom de jeu sans me dire ce que c'est. Vous êtes gentil, mais bon. C'est comme si tu disais, un joue à Blue Black. Oh, putain, les... Les suceurs qui nous suent partout, c'est fatigant. Hein. Ouais. Ça fatigue, genre. C'est chiant. Ok, vas-y, rejoins. Ah, tu as rejoint Link. Ah bon ? Tu me rejoins. VC seulement, c'est-à-dire quoi, VC seulement ? Jouer. Ah, jouer, mais... Bah, je vais faire jouer normal, hein. Standard. Alors, je sais pas où t'es. Sans ça, connectez-vous à une personne et complétez. Vas-y, vas-y, fais jouer et on va se connecter et je vais faire. Je suis dans le lobby. Ok, hop. Ok, on est bien. Ah, stylé. Ce jeu est incroyable, mais il faudrait que vous connectiez le micro au jeu pour avoir plus de réalisme et de fun. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Explique pourquoi. Argument. Là, quoi? Dis pourquoi? Argumente. Il faudrait que tu me montres ta bite. Genre, tu vois, genre, pourquoi? Sinon. Ok, mais pourquoi? Bon bah, c'est pas où t'es, mais casse-toi. Voilà. On y va? De proximité est très drôle. On peut essayer, hein. Mais là, j'entends personne, hein. Si c'est... Non, mais avec le chat de proximité entre nous, je pense. Mais je sais même pas comment on fait. C'est dans quoi? Faut scan son ID pour le chat vocal. Ouais, vas-y, laisse tomber. Ouais, allez. C'est bon, c'est très drôle. Allez. Alors là, juste... c'est ça, c'est... Bob garde une trace de vos progrès. Si vous voyez la cabane de Bob, approchez-la pour sauvegarder votre progression. Ok. Ok. Et là, c'est qui, lui? C'est Bob le flic. Oh, attention, Bob le flic... Lui, et attention à lui quand même. Quel est le rapport avec le fait qu'on soit accroché? C'est que si l'un tombe, l'autre tombe avec lui? Ça attire l'autre, ouais, je pense. On a le droit à une longueur maximale. Ah ouais, donc faudrait pas qu'il y ait un de nous deux qui soit une grosse merde. Faudrait pas que l'un de nous deux soit trop lent par rapport à l'autre, par exemple, tu vois. Là. Ou bête. Ouais, ou qu'il aille dans des mauvais endroits de merde. Ou qu'il me fasse souvent tomber, tout simplement! T'es trop nul, mais t'es trop nul! Tu m'as poussé, en fait! Attention, tu m'as fait sauter, c'est bon! Eh ben heureusement que je fais des trucs de ouf, putain, hein. Putain, tu m'as pas servi avec des idiots pareils, hein. Tu m'as fait descendre et tu m'as fait remonter, quoi. Tenez-vous ici. Continuez à sauter à la fronde vers votre partenaire. À la fronde. Eh, les traductions de merde.
Je comprends pas ce que. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Continue à sauter à la fronde. Pas clair. Vraiment pas clair. J'ai rien compris. Utilisez la force de traction de la corde pour vous lancer. Ah, genre là je fais ça. Ah ouais, oh ouais, ok. Ah. Attention, regarde, attention, attention, attention. Wow. Wow. Et là, wow. Non, vas-y, tu peux saute et ça va te dire. Wow. Ok. Ok, je vois l'utilité qu'on soit accroché. Tu vas traîner. Allez, c'est par là, là. Il est impatient, il est grognon. Oh, ça va me stresser. Oh, mais vous m'avez coltiné. Ça va me stresser là. Regardez, en plus, il veut tout le temps se précipiter. Oh putain! Oh là là là! Il attend pas. En fait, c'est de la coopération, mais il sent pas les couilles en fait. Il attend rien, il fait. Il court là. Fais-moi monter mais là. Tu vas faire un effort, allez. Fais-moi monter. Eh ben tu tires attends, en arrière attends, là. Attends. Tu recules. Attends, il me faut plus de pression là, parce que là je peux pas monter. Recule! Mais c'est ce que je fais, mais. Ça. Presque. Allez! Eh, bouge pas. Mais je bouge pas depuis tout à l'heure, je suis coincé. C'est bon. Ah. Heureusement que je suis fort, hein. C'est fort ce que je viens de faire. Vas-y, à ton honneur. Ouais. Bah vas-y, passe devant. Eh, si je saute là, 100% je peux monter tout là-haut direct. Regarde. Ah, je me suis pris un rebord. C'est juste ton cadavre maintenant qui tangue, espèce de nul. Je suis coincé sous un. Je suis coincé mais en dessous. Trop chiant. Mais je suis coincé. Putain. Fais-moi bouger. Mais fais-toi bouger, mais je sais pas comment faire moi. Donne du mou. Oh, attends, mais tu m'écrases contre le sol. Donne du mou. Attention. Ah, tu me travales. Arrête de me trimballer. Ah mais tu vas arrêter de bouger dans tous les sens. Ah c'est bon. Ah. Vas-y, éloigne-toi, vas-y. Ouais ça va, c'est dur. Mais là c'est mort, faut qu'on refasse tout là. Allez, au lieu de geindre. Bon, pour une fois t'as vu d'être con et de juste chialer, penser que là. Tu peux skip la moitié du niveau. J'aurais pu mais t'étais mal placé. Ah ouais, tu veux qu'on le refasse? Tu faisais n'importe quoi en gros. C'est quoi cette musique de débile là? Eh, la musique, je vais la quitter au bout d'un moment. Ouais. Pourquoi le jeu fait pas en sorte qu'on puisse couper la musique seulement? C'est dingue ça. C'est soit on parce qu'ils s'en foutent, ils jeu, ont 8 ans, ils en ont rien à foutre. Ils sont sur l'iPad. Plus vite! Attends, Dular! Oh, le rythme, on n'est pas rendu, c'est un début. On a perdu 10 minutes parce que t'es tombé. Mais ah, attention! Ah, oui oh là là, oh, c'est chaud! Wow oh, c'est chaud! Attends, il faut que je retombe bien comme ah, il faut. Ah, tu vois? Hein. Tu vois comment c'est chiant quand t'es dans cette situation? Attends, mais comment. Oh, allez! Mais. Là, je suis KO là! Bah, c'est ça le problème, c'est qu'une fois que t'es KO, c'est. Ah bah là, il faut que tu... Attends. Oh putain. Oh, oh non. Ah bah super. Ah bah super. Tout ça, c'est à cause de toi. Ouais, bravo, LED. Bravo. Tout ça, c'est à cause de toi. Putain. On est obligé de remonter maintenant. Et pourtant, Bob, c'était pas un point de save? Si, mais on n'a pas recroisé de Bob, je crois. Oh putain, y a pas de Bob. La prochaine fois, je reforme un groupe avec... Avec un inconnu. Hein. Eh, je vais. T'as de la chance que je sais plus comment il s'appelle l'autre qui nous stalkait là. J'ai son nom, mais j'ai pas envie de le prononcer. Avec lui. Pour pas lui faire plaisir. Attention! Oh! Vu! Wow! Et attention, encore un peu c'est plus c'est quoi bas. La technique pour le faire remonter quand c'est comme ça? C'est chiant qu'on sache pas trop ça, parce que ça va nous arriver tout le temps. C'est désagréable en plus parce que je colle un truc à chaque fois qui est en dessous donc je veux pas. Bah ouais, il y a un plafond. Ah, j'essaie de descendre un peu pour te. Ah non, mais est-ce que constamment il y a un truc en dessous de toi? Oh la vache. Oh, on est pas bien là.
Ah non, je suis constamment, je me prends le truc en dessous. Oh, je baise le mur là. Ouais. Bah, je suis descendu. Hein. Ah ouais. Bon, attends, la musique, j'en peux plus. Ouais, c'est abusé la musique, non? Casse-toi de là, c'est pas possible d'être une musique nulle comme ça là. La connerie. Ouais, je vais baisser le son. Ah, c'est bien triste sans son. Ouais, vas-y, je vais couper. Et Roblox, vous êtes le jeu qui rapporte le plus dans toute l'industrie du jeu vidéo. Merde. Vous pouvez juste mettre une option pour couper la musique seulement? C'est dingue, hein, je sais. Je demande peut-être la lune, mais je me dis que vu que vous générez des milliards, et j'exagère pas quand je dis que vous générez des milliards, peut-être un mode juste, voilà, pourquoi pas une option, couper le son. Nous, on l'a fait avec un dev, avec deux devs sur Agro. Hop, en 5 minutes, c'était fait. Pas compliqué, hein. Pourquoi pas une OP, quoi. Ça a coupé, mais j'imagine ce que t'as dit. Ouais. À gauche. Le bouton à gauche. On en a rien à foutre, allez. Non mais attends, mais ils ont raison. On est trop cons. Quoi? Bouton à gauche. Oh la dinguerie, on est juste trop bête. Quel bouton à gauche? On est juste trop bête en fait, c'est tout. Quel bouton à gauche? À gauche de ton écran. Oui, si vous voulez. Un peu ridicule sur ce coup. Franchement, ouais. Là, moi je... C'est... Moi je m'excuse. Après, contre de Roblox. Gros problème d'interface et de je compréhension. M'excuse auprès de la communauté Roblox. Mais là, t'es tombé là. Excuse-moi, mais dans le jeu, on ouvre plus facilement le menu d'achat de Roblox que le menu d'option des sons. Alors attends. Tu es prêt? Mais pourquoi je peux. Tu sais, il bloque ces fils de pute! Bah oui, c'est ça le problème, vas-y, je les laisse faire là parce que. Ils sont tous là à vouloir faire leur putain de parcours de merde là. Et faites votre merde. Au pire, tu peux juste te mettre sur la croix. Hein. Mets-toi genre à droite, ça passera. En fait, là, tu te prends moi. Le truc, c'est que j'ai le droit de sauter combien de fois? T'as vu, tu te prends moi. Mais tout à l'heure, j'ai réussi du premier coup. Ouais. Pas banal. Dommage. Mais je pense qu'il faut que je me décale au dernier moment pour t'éviter. C'est vraiment pas clair. Oh putain. C'était à... Attends. Ah ouais. Nice. C'était il y a un mois qu'on a eu 10 000 subs. Non, c'est moins, non? Il y a... Soit c'est moins. On avait dit mars. Oh, c'était il y a moins d'un mois, ouais. C'était en moins d'un mois, c'était en mois de mars. Pourquoi? Ah bah putain. Si, ça fait un mois. Ouais, d'accord, c'est pour ça qu'on vient de perdre 2000 subs, là. Oh, la vache. La vache. Ah. Ouch. Alors, c'est ça. Ça fait pas du bien par où ça passe, hein. Ah, pétain. Ah, pique. Alors qu'on vous offre des lives d'anthologie sur Roblox. Il part sur les reproches tout de suite. Alors qu'en fait. Non! Attention, non bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Et bah de rien pour le. Oh là, attends, deux secondes. Parle pas si vite, je pense. Attention, parle ah ok, attends un peu, deux secondes. Ah ok, encore tapé, attends, et. Oh non! Putain. Hop! Et on est. Putain! Merde! Je suis vraiment bas, mais attention la team. C'est trop la merde, c'est trop la merde. C'est comme tout à l'heure. Si je me décale un peu, ça peut être ok. Oh, là c'est. Ouais, ouais. Mais ah, non, dommage. Mais comment on fait pour ne plus être KO juste quand je touche un rebord? C'est vrai que ça c'est chiant ce système de KO là. Ça casse trop ça les. Ça sert couilles. À quoi au final de ça? Genre, quel est le. Bah, je suis coincé. Oh bah t'es bien là. Je suis coincé. Je bouge plus là. Je bouge plus d'un millimètre. Mon corps est fixe. Ouais bah. Oh. Ouais. Ça non, casse les débile. Couilles ce truc d'être. C'est débile. C'est nul le truc de knockout là. J'essaie de lire des panneaux. Mais y'a rien. Vous avez pas une astuce?
Donc je disais, ouais. 10 000 subs, on peut peut-être les avoir juste avec un peu de. peu d'huile de coude. Bonne volonté de la T'es part où de la commu. Rien, j'ai fait un raccourci. Déjà, on va fêter les 8 000 subs. Peut-être ce soir. Je suis encore KO! J'ai sauté d'un mètre! J'ai sauté d'un mètre! Faut que je descende. J'ai sauté d'un mètre! Ah, merci Maldoror. Et c'est la fête, les 8 000 Merci subs. Maldoror. Bravo, félicitations à tous pour les 8 000 subs. Bravo. Bravo à tous. Belle expérience. Vous vous souvenez quand on était à 8 000 subs et qu'on a eu les 10 000 dans la même soirée? C'était une expérience de dingue. La soirée était genre comme celle-là, mais en mieux, putain. Viens, on tombe pas. T'en rends compte qu'on voit des gens à côté de nous qui arrêtent pas de tomber depuis tout à l'heure. Merci, Genre on voit personne Donut, continuer. pour les 20, je sais pas. Waouh! Merci, Merci Donut. Donut. Pourquoi tu le prononces comme si tu voulais faire un accent que tu n'osais pas faire? Bah, parce qu'il a écrit bizarrement. Bon, t'avances! Ta gueule. Ça changera quand on a compétence, ça. Tu vois, quand tu la fermes, le duo marche mieux. Putain, j'ai vraiment un trou Pour de mémoire, je l'instant, au sais plus niveau comment il des stats, s'appelle. j'ai une stat sur les chutes et qui les fait et elle va pas te plaire. Hein. Tu me. Ok, Cool! voilà, J'ai vu ce voilà. qu'il fait! Il me défend! Karma! Il me retire Là l'accès! là, le karma en pleine gueule! Il me retire l'accès! Tellement. J'ai rarement vu un tel karma s'abattre d'un C'est coup. ça son problème, c'est que je lui ai dit et il s'est dit je vais le bloquer comme ça. Mais tu t'es fait karma au moment où t'ouvres ta gueule! Putain, et en plus Warbiba! il devient pédophile, il dit Non karma mais. à tout bout de champ. Non, Oh qu'est-ce que. putain! Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Je te préviens, je réessaye une dernière fois et ça passe sur CS. Hein. Ouais, à la limite, hein. Putain. La prochaine chute, c'est CS. C'est horrible. Franchement, sans ce système-là, qui nous assomme, on est Oui, bien. tu parce que c'est quand même un handicap de tomber. Donc, laissez-nous la possibilité d'être juste encore en vie. Et si on retombe sur une plateforme, bon bah voilà. Elle aussi, Ça tout nous permettrait de j'achetais. faire des moves sympas en plus. Oui, parce qu'à chaque fois on pourrait remonter, ce serait marrant et clutch et voilà. Le site où j'achetais mes caisses, comme par hasard, j'ai acheté des caisses et après ils se sont fait bannir leur compte de trade et Mais du coup non. je peux plus avoir mes caisses. Non mais t'as eu Voilà. tes caisses. Non. J'en avais Non mais les caisses racheté que. et j'ai pas pu les avoir. Ah mais t'as remboursé. Non. Mais bon, là ils sont en train d'essayer de débannir leur bot. Ah ouais, Donc t'as pas de bon, chance. j'espère que Après j'aurai tu la sais moi caisse. j'avais été sur un site, j'avais gagné une M4 à plus de 10 000 dollars. C'est vrai? Et tu l'as Ouais eu, cette M4? je fais demande pour le skin et le site me dit bah là en fait il y a pas de disponibilité de ce skin pour le moment mais dès qu'il y a une disponibilité on vous l'envoie. Moi je dis ok mais pas de soucis, mais Oh, envoyez-la ouais, moi. c'est chaud ça. Et Le système pue la merde. ben figure-toi que le site il a fermé et qu'on Oh! m'a jamais envoyé Putain, c'est mon dingue! skin de M4. Comme si tu avais jamais vraiment gagné une M4, mais le fait que textuellement t'avais gagné une M4, quoi. Et tu sais combien j'avais de pourcent de chance de la gagner pour que tu te rends compte à quel point c'était atroce. Non. 0,1%. Aïe 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 aïe, putain. Et tu sais que je l'ai gagné en direct? C'est comme Enfin, une je veux dire en légendaire direct. Pas en or. live, mais j'étais en live sur Discord et Théo peut en témoigner. Il m'a vu la gagner en plein direct. Théo a la preuve. Théo peut témoigner de ça. Au Et tribunal je me suis des fait skins. enculer. Tu sais Attends. quel est le site qui m'a fait ça? Oh, attention. C'est Alors s'il a fermé, j'avoue, je vais peut-être pas savoir. Oh! Oh bah tu peux deviner. Elkays, ça a pas fermé? Non mais j'ai jamais joué sur Alkaze. Non, un indice, j'ai joué que sur ce site-là de toute ma vie. J'ai oublié le site. Bah voilà, bah en tout cas c'est lui. Autant te dire que j'ai pas commencé à demander à la mafia russe de me rembourser. D'accord.
Tant pis, j'ai pas mon skin. Pas grave. Ouais, va pas trop les faire chier, va. On est loin. On est loin. Là, on a... Attends, y'a Bob. On a... Ça y est, on a notre Bob. On a un point de save, là. Yes. Ok, mais c'est quoi la difficulté du pont, là? Y'a aucune difficulté, c'est quoi cette merde? On descend? Putain. Une chance. On avait plus de chance qu'eux. T'as vu, c'est moi qui prends tous les risques. Hein. Je passe devant. C'est chiant d'être derrière parce que tu te fais tirer. Ok, vas-y, vas-y. Ouais, passe. Ouais. T'as... Dès que tu vois un truc un peu difficile, tu te dis vas-y, il va... c'est lui qui va tomber, du coup je vais pouvoir gneugneux. Ton micro il coupe donc je te parle pas. Ouais. Et avec Hugo et Pota, il y a eu la preuve que ton micro est coupé, c'est pour c'est à cause de toi et pas de moi. Ils oui, il y a eu aussi le, la preuve que ton, quand ton micro oui. est grésille, t'as pas. Oui, mais sauf que moi j'ai réglé le problème. Oui, bah c'est bien. Et moi, comment je le règle le problème? En bougeant le cul. C'est-à-dire? Tu vas sur Discord, tu coches, tu décoches des choses. Bah c'est bien, bah viens, on va le faire maintenant. Allez, c'est parti. Attends, je suis occupé, là, faut qu'on aille sur l'autre côté. Attends, je vais décocher des cases. C'est quoi la fenêtre en bas à gauche? Bah c'est le hop, jeu. Annulation d'écho. Et Ah bah ça se trouve, l'annulation... Bah oui, depuis le début, ça se trouve, c'est l'écho. Non mais il est pas activé. Ok. Suppression du bruit. Standard. Et voilà. Voire désactivé. Il était déjà désactivé. Ok. Y a un problème. Détection de la voix avancée. J'active. Contrôle automatique de gain. J'active. Voilà. Tout a changé. Oh, ta voix est plus forte. Oui, c'est le contrôle automatique du gain. Comment tu vas monter là? Si tu sautes sans te faire. Oh, c'est... ta voix est super forte même. Tu peux alors désactiver le ça par contre. Comme ça. Si tu sautes. Attends. Viens, non, on va sucer les autres là-bas. Mais s'il y a personne pour me faire monter. Bah comment t'es monté là? Bah je suis monté sur quelqu'un mais... Y'a pas un Bob là? Alors... Oui... Par là-bas... Oh... Chez. Mais comment tu t'es servi de lui pour monter? Ouais, je fais totem sur lui. Allez hop, dans ta mère. Après toi. Allez. Hop. Je suis KO. J'ai un peu le seul. Mais pas grave. Mais... Ah, attends, j'ai été DKO. Comment j'ai fait? C'est quand tes pieds touchent le sol, non? Voilà. Ça touche le sol là quand même mes pieds. Ok. Ou alors je redescends la hauteur, c'est pas très loin en fait. Bah attends. Ouais c'est pas très haut mais j'arrive bien quand même. Non c'est impossible. Ça me knock. Ça me knock en fait. Allez c'est bon. Allez hop. Attends Bob il nous ramène où? Ah. Ah mais c'est pas possible. Ah. Mais c'est quoi cette physique à la con? Ah. Ah putain! Bob? Il est où Bob? C'est où Bob? Comment? Mais. Qu'est-ce qui se passe? Comment on utilise Bob? Mais il est où Bob? On va muter Bob parce qu'il est en train d'enculer sa femme! Attends, on va voir le premier Bob, peut-être que ça va nous. Le premier Bob il va nous TP. Peut-être qu'il nous a écrasé notre sauvegarde pour le premier. Là, ça se trouve, il a save-set. Ouais, mais je vois pas trop comment ça marche. Bon, allez, hop. Allez, hop.
Ça là, tac. Ça pourrait être un bon jeu, mais nique sa mère. Voilà. Bon, je crois qu'il y a plein de trucs que Roblox a testé, mais je n'attendrai pas un chat en fait pour me le dire, mais plutôt des conseils avisés qui viennent d'ailleurs. Un chat, c'est pas possible. C'est pas pertinent. Vous êtes pas pertinent, malheureusement. Chacun dit son jeu sans dire ce que c'est. Et généralement, ça pue la merde.